Live Hotel. Nouveau lieu de vie bordelais, face à la plage du lac, à quelques arrêts de tram ou coups de pédale du centre-ville. Qu'est-ce que c'est réellement? Un hôtel? Un restaurant? Un bar? Ok, mais soyons plus précis. Live Hotel, c'est un établissement design et cocooning centré sur l'échange et le partage, proposant des événements destinés aux hôtes, mais aussi aux professionnels et habitants du quartier, le tout animé par une équipe chaleureuse, passionnée et bienveillante. Alors, prêt à vivre la live expérience? Bienvenue dans votre communauté. Enjoy! Bonjour à tous, bienvenue sur le live YouTube là, pour la rencontre qui va opposer les JSA BMB au stade de Vanves. Donc comme on l'a dit tout à l'heure sur Facebook,
C'est un match qui va opposer deux équipes de bas de classement. Donc un match important pour nos Bordelais qui seront une nouvelle fois très diminués. On y reviendra tout à l'heure. Et donc une équipe de Vanves qui est dernière du classement, mais qui elle arrive et, au complet. Donc on parlera du match tout à l'heure, mais d'abord j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre, nouveau président des GSA. Salut Alexandre. Bonsoir. Voilà, déjà, premièrement, est-ce que tu peux te présenter et nous en dire plus sur toi, sur ton arrivée au GSA BMB, s'il te plaît? Mais écoutez, ça doit en se prendre plus d'un, mais voilà, moi je suis Alexandre Ducourtieu, je suis le président officiellement depuis 3 semaines. Je serai accompagné dans cette tâche par Charles Payette, qui est le gérant de la Hoop Factory. Ça fait. J'ai travaillé 10 ans dans la Ligue nationale de basket. Et voilà, moi je suis entrepreneur, je suis dingue de basket. Et me voilà pour un nouveau projet sur 3 ans pour faire du BMB une plateforme basket à Bordeaux. Enfin. Oui, bah oui, on espère. Mais justement, ça permet de faire la transition. Quel est le nouveau cap justement des GSA BMB qui est développé par le club? Alors nous, on a aujourd'hui 4 grands caps qui reposent sur une seule idée, c'est comment on va ouvrir les GSA à Bordeaux. C'est-à-dire ouvrir les GSA socialement, économiquement, sportivement, et qu'est-ce qu'on va faire pour les Bordelais et pour les gens qui aiment le basket. Donc on a 3 grands thèmes, ça va être la formation. On veut créer un vrai centre de formation à Bordeaux avec l'accompagnement de la région, de la Ligue et des clubs de la région. Donc on va aller les rencontrer tout le monde et montrer notre projet, notre ouverture. On va vouloir développer ce qu'on appelle le social dans le sport. Donc on a créé dès aujourd'hui, il y a maintenant 4 semaines, Basket Citoyen. Donc on est accompagné par une asso qui s'appelle Oval et on va lancer des projets d'insertion sociale via le basket. Donc c'est en place depuis maintenant 5 semaines, on a 20 à 40 personnes qui s'entraînent et qui derrière vont chercher du boulot avec des groupes comme ADECO. Voilà. D'accord. Donc ça fait beaucoup de projets finalement et beaucoup de travail à venir finalement pour toi et pour les... Super motivé. On va y aller, on y va à fond, on se donne les moyens. On a des caps bien définis. Aujourd'hui, on a besoin de restructurer le club comme une entreprise de sport. Ça va nous prendre jusqu'à la fin de la saison pour repartir avec une vraie entreprise de basket ouverte sur Bordeaux, encore une fois, et ouverte sur les autres clubs et avec un écrin incroyable que le Palais des Sports. D'accord. Et justement pour finir, est-ce que tu aurais un mot à donner pour notre communauté, les partenaires, les abonnés, les supporters qui nous manquent? Oui, qui nous manquent et qu'on ne voit pas, c'est pas un vide. C'est l'enfer. Donc oui, le petit mot c'est, mais écoutez, nous on va faire tout ce qu'il faut pour tenir le coup jusqu'à la fin du Covid. On sait que tout le monde souffre, les entreprises, les supporters, les partenaires, nous on est là, on joue, on essaie de vous faire un peu passer du plaisir autant qu'on peut le faire. Donc moi, mon appel aujourd'hui, c'est si vous aimez le sport, si vous aimez le basket et si vous voulez vous impliquer, ben on va s'ouvrir, on va vous permettre de venir prendre du plaisir avec nous. Voilà. Super. Ben merci pour tout. Bon match. Alors juste, je vous annonce, on a la chance aujourd'hui d'avoir Mathieu Azouar qui vient voir le match et qui nous soutient avec la mairie de Bordeaux. Il viendra à la mi-temps nous dire un mot sur comment aujourd'hui la mairie soutient les clubs. Tout à merci fait. Beaucoup. Ben, pas de problème. Merci salut. Beaucoup. Salut Pat. Allez, ciao.
Live Hotel. Nouveau lieu de vie bordelais, face à la plage du lac, à quelques arrêts de tram ou coups de pédale du centre-ville. Qu'est-ce que c'est réellement? Un hôtel? Un restaurant? Un bar? Ok, mais soyons plus précis. Live Hotel, c'est un établissement design et cocooning centré sur l'échange et le partage, proposant des événements destinés aux hôtes, mais aussi aux professionnels et habitants du quartier, le tout animé par une équipe chaleureuse, passionnée et bienveillante. Alors, prêt à vivre la live expérience? Bienvenue dans votre communauté. Enjoy! Et rebonsoir mesdames et messieurs, salut Pat. Salut. On se retrouve pour cette... Alors c'est la 16e. Je crois que c'est ça, ouais, 16e. Après on est un peu perdu au niveau des journées là. Ouais, oui, avec les matchs qui sont rattrapés. Ouais, ils m'ont ouais, voilà. Paris, il y a pas longtemps, c'est un problème média. Oui, donc alors, 16e journée nationale 1 qui opposera les JSA BMB au stade devant basket. Les Bordelais sont avec un effectif. On va faire un point un petit peu. On va parler du dernier match. Oui. On va parler, pendant que la présentation des joueurs s'est faite, on va parler de la rencontre. Et on va parler aussi devant de cette équipe du championnat. On va commencer le dernier match. Un petit résumé du dernier match, Pat. Malgré la défaite, on a vu des JSA très appliqués avec du répondant et qui avaient envie, comme d'habitude. Oui, on a vu une bonne équipe des JSA. On a mal débuté la rencontre comme souvent à l'extérieur malheureusement. Et l'écart qu'on a eu au début, sur le premier carton, on s'en est traîné jusqu'à la fin du match. On a encore manqué de rotation et ça a posé problème à ce niveau-là. Donc voilà, après c'est. On sait qu'on est un effectif réduit, mais on a montré des belles choses. On a vu Antoine Léonard impliqué aussi encore. Les jeunes qui ont joué. Et ouais, c'est bien de pouvoir voir les jeunes jouer comme ça. Pour une équipe comme Chalon, on aurait pu prendre l'eau et finalement, on a fait un bon match encore. J'aimerais revenir sur Antoine Léonard. Antoine Léonard qui confirme, qui devient de plus en plus un vrai joueur de rôle de National 1. Oui, complètement. Bah, de toute façon, il sait qu'il a l'opportunité maintenant d'avoir du temps de jeu. Donc, il a saisi sa chance. Et s'il y a bien un joueur qui bénéficie justement de ses blessures pour pouvoir s'exprimer davantage, c'est bien Antoine Léonard. Donc, on va faire déjà la présentation de l'effectif de vendre. La présentation vient d'être faite par le speaker. Donc on va faire assez vite. En numéro 1, vous allez retrouver Diane. En numéro 9, Marc-Antoine Bourgaud, joueur à surveiller de près, qui termine une belle saison. En numéro 10, Marc Judith. En numéro 12. On ne présente plus Marc Judith. Hein. Non, mais on sent que voilà, il a du mal à s'y mettre cette année. On sent qu'il y a un manque de compétition chez Marc Judith. Un joueur qui avait fait les beaux jours de Nanterre. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que cette année, son temps de jeu est assez réduit. Et les statistiques assez faibles finalement. Il est surtout là pour apporter de l'expérience. Avoir un discours sûrement dans le vestiaire. Voilà, c'est ça en fait. Voilà, je pense qu'il y a ce rôle-là, effectivement. Mettre un peu de jus, faire souffler les jeunes, apporter son expérience. Oui, voilà, après il n'est pas là pour faire du scoring, c'est clair. Quoi. Voilà, c'est peut-être apporter de la défense aussi, c'est ce qu'il faisait aussi avant. Mais c'est clair qu'au niveau offensif, au niveau scoring, bah, en tout cas pour l'instant, il n'a pas fait de gros cartons. Quoi. Ouais. Après, en numéro 12, Sébastien Bertus. En numéro 15, Gary Blément. En numéro 16, Clément Pingon, un joueur à surveiller de près, un joueur qui a des bonnes statistiques, un joueur qui a des bons pourcentages au tir, qui pour moi fait partie des meilleurs sixième hommes de la poule pour l'instant. En numéro 17, de Raphaël Desros, qui effectivement on ne présente plus, qui est toujours énorme, qui a toujours des grosses stats, qui est capable de prendre feu. Un joueur qui a une expérience de fou. Et qui est capable de prendre le joueur à son compte lorsque le match est compliqué. Il est capable d'aller mettre des gros tirs, aller provoquer. On se souvient de ce joueur à l'époque quand il était à Limoges. Donc, à Limoges, c'est exceptionnel. Voilà. C'est un joueur qu'il va falloir surveiller. Et surtout, pour ceux qui se rappellent le match aller où les Bordelais avaient fait un retour Tony Trouin, c'était Raphaël Desros qui avait fait mal. Ouais, il avait mis plus de 32 points, un truc comme ça. Donc c'est vrai que c'était assez énorme. En numéro 19, on aura Thomas Brégion. En numéro 93, Gilles Durot.
Et en numéro 94, Anis Gabsi, un joueur aussi à surveiller de près. Anis Gabsi, un athlète. Oui, avec des très bonnes stats là depuis le début de la saison. Ouais. On va passer à la présentation des JSA qui sont encore plus diminués encore que la semaine dernière. Oui, on va parler de l'effectif bordelais. Qui se trouve réduit, voilà, Alex Valéré qui s'est blessé à la cheville. On vous a présenté Gaëtan Ménial et Jeff sur la feuille de match. Malheureusement, je pense qu'ils ne joueront pas puisque pour l'instant ils ne sont pas réellement prêts. Ils ont repris la course, ils ont repris les échauffements, mais ils ne peuvent pas faire de position. Donc ils vont pas revenir avant. Jeff, on espère un retour la semaine prochaine. La semaine prochaine. Gaëtan, peut-être la semaine d'après. Exactement. Et pour Alex, on sait pas trop, il passera une échographie dans la semaine. Et c'est cette blessure d'Alex a fait quelque chose quand même. Voilà, on va parler concrètement. C'est une partie du poumon bordelais qu'on perd. Tant ce dont il est capable de faire. On l'a vu jouer meneur, jouer poste 4, jouer ailier, apporter en défense, mettre des tirs, faire des grosses stats à la passe. Cette année, je pense que en termes de stats individuels, il fait sa meilleure saison. Même si les deux années précédentes, il faisait de très très bonnes saisons. Voilà. C'est une tuile, hein, c'est la tuile, hein, la blessure d'Alex. Voilà, donc c'est la tuile et voilà, ben on va voir ce que ça va donner. On a Willem qui intègre 5 de départ, donc. Et on y croit, comme ça chaque fois les JSA sont capables de faire des exploits à domicile. Le jeune Willem Rabitjan qui va tenter d'accompagner Quentin Calamène, c'est un joueur avec un fort potentiel, très 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 fort, pur produit bordelais. Voilà, c'est sa première expérience au haut niveau. Et aujourd'hui, Willan a une carte à jouer. Oh, il a une réelle carte à jouer et défensivement, il va apporter. C'est un gamin qui a pas peur. Voilà, on a hâte de voir. Et puis l'homme, je pense qui a quartier libre aujourd'hui, qui a le fusil armé, bien armé là, bien armé avec plein de balles, avec des balles illimitées. Ce soir, c'est Quentin. Hein, oui, munitions illimitées pour Quentin ce soir, c'est clair. Voilà. Là, on en profite pour vous parler du challenge Village Vacances Français. D'ailleurs, notre partenaire qui vous offre un séjour d'une valeur de 400 euros. Alors partez dans l'un des villages de vacances français pour un week-end en demi-pension pour deux. Alors on vous rappelle le jeu concours. La première étape, c'est regarder le match et trouver le logo concours Village Vacances Français. La deuxième étape, prendre une capture d'écran, une photo de l'écran avec le match et le logo du concours. Et la troisième étape, partager en story Instagram et identifier les comptes Village Vacances Français et JSA BMB. Voilà, à la fin du tirage au sort qui sera effectué, on désignera le joueur qui aura gagné. Après l'interview des JSA BMB. Bon, on espère que vous êtes tous prêts. Et comme on dit chez nous, place au jeu. Place au basket. un petit peu de retard là sur le match. Je pense qu'il y a eu un petit problème. Et voilà, donc je sais pas trop ce qui se passe. Mais le match qui va prendre du retard à première vue. Je pense qu'on doit avoir un problème technique au niveau de la e-marque. Ouais, je pense aussi. C'est ce qui est en train de se passer en tout cas. Donc les joueurs repartent à l'échauffement. Chose qu'on a oublié, on a un autre absent ce soir. Joachim est absent, il est suspendu. Donc c'est Mathieu qui va coacher avec Jérémy. Ça peut être important aussi, c'est bien pour Mathieu, ça va le responsabiliser aussi. Ah oui. Mais voilà, donc Joachim est suspendu, on le voit, il est là, il est dans la salle. Mais Mathieu qui fait le travail. Et honnêtement, c'est de manière personnelle, moi qui ai passé mes diplômes d'entraîneur et qui ai vu Mathieu évoluer, ça nous fait très plaisir de prendre le relais et on est sûr qu'il va le faire avec de la bonne manière. Ah complètement, Mathieu, on peut avoir totalement confiance en Mathieu. C'est une belle opportunité pour lui ce soir. C'est pas une situation forcément simple, mais voilà, avec un effectif quand même qui est très très court. Mais on est capable de faire des exploits à domicile, on l'a déjà fait, on l'a fait la semaine dernière contre les Sables. Et ce soir, il faut y croire. Les jeunes, ils ont une carte énorme à jouer et c'est hyper intéressant, mine de rien, de voir ces jeunes joueurs évoluer. C'est une belle expérience, surtout. C'est une belle expérience pour eux, voilà. Alors effectivement, c'est un problème technique à la tête de marque qui fait que le match prend du retard un peu. Oui.
Ah, le match va, on entend que le match va pouvoir débuter normalement. Donc c'est la dernière minute avant la reprise du match. Normalement, les 5 de départ sont composés de Willian Alamène, Quentin Henry, Quentin, Thibault Longième, Thomas et Antoine Léonard. Et Thomas Simon Wilson. Donc aussi, on va en profiter pour donner le nom des arbitres. Donc Cédric Bartorel, oui, qui est un ancien joueur qu'on a connu à Cognac, à Boulazac, voilà, donc, et qui est aujourd'hui arbitre officiel en National 1. Et Mathieu Cognac, voilà, pour les arbitres. Et côté Vob, nous avons donc Marc-Antoine Bourgeois, nous avons Sébastien Vertus, Anis Gapsi et Gilles Duro dans le sac de départ. Gilles Duro, ouais. Et ça commence déjà. Ouais, ça commence déjà avec Marc-Antoine Bourgeois, qui est un joueur qu'il va falloir surveiller de près. Hein. Ah. Et Gavzia à 3 points. Un rebond pour Vertus. Encore pour Gapsi. Qui rate. Et rebond pour Thomas. Rebond. Ouais, c'est bien ça. Allez, c'est parti avec Thibaut. Et Quentin Henry. Vous êtes joué un peu moins vite aujourd'hui, à mon avis. Hein. Et Quentin Henry. Quentin, belle passe pour Thomas, bien Thomas. Et ça commence bien, ça commence ouais, bien. Très bien, je pense qu'aujourd'hui on va peut-être jouer un peu moins vite que d'habitude et tu seras un peu plus sur du jeu placé peut-être. Et Jules Duro, qu'on a connu du côté de Épinal, du Gate Vosge, qui a joué en National. Oh, et passage en force ouais, avec la très bonne défense de Antoine Léonard. Alors Antoine, il commence déjà à défendre dur là, c'est ouais. Ça qu'on veut voir d'entrée. Et de toute façon, c'est sa qualité première, c'est pour ça qu'il est sur le terrain. Il est malin, il joue bien, il est droit sur ses appuis, il oblige Gilles Duro à le dégager. Gilles Duro qui, ouais, comme tu dis, a joué effectivement donc au Gate Vosge et qui a joué aussi au Rueil, à Lille, voilà, donc ouais. Un joueur qui a pas mal bourlingué dans la division. Et qui a préféré revenir chez lui en région parisienne, à Vinf. Et on va servir, on va servir Thomas. Bien Thomas avec la faute. Et je pense que ce soir, c'est lui qui a l'avantage, c'est Thomas Van Oussem. On sait que le secteur intérieur à Vinf est... comment dire ? Mais là, le point faible tout simplement de l'équipe. Ouais, c'est ça. Ouais, simplement, voilà, et Thomas qui est sur courant alternatif, qui réalise sur des matchs des grosses performances et qui des fois peut-être a tendance à être un peu fatigué parce qu'on lui demande quand même beaucoup. Oui. C'est un joueur qui a d'espoir, donc passer d'espoir à National 1, on lui demande beaucoup. Mais il est capable de faire des gros cartons, il a montré qu'il avait un gros potentiel à tous les niveaux, un shoot. Voilà, maintenant il faut qu'il soit encore plus dur dedans et ça va le faire. Il a eu 5-0 pour les GSA BMB dans ce début de match. Il a eu de grosses perfs, tant offensivement que défensivement. Même les moments où il n'a pas scoré, c'est parce que défensivement il faisait le boulot. On se rappelle ce match ici face à Lorient où il a fait le boulot sur la deuxième mi-temps face à Bali Koulibaly. Ah oui, il a été excellent, et voilà, donc c'est ce que. Non mais Thomas, il est en train de grandir en fait, tout simplement. Oui. Il grandit et pour lui, cette expérience de pouvoir jouer autant de minutes et tout. Pour lui, il gagne vachement d'expérience. Par contre, mauvaise nouvelle, deuxième faute pour Willian. Ouais. Voilà, il ne peut pas lui accorder à Marc-Antoine Bourgo. Voilà Madiba qui va rentrer de suite. Ça, c'était peut-être la pire des choses qui pouvait arriver en début de match. Oui, après, Willian a 17 ans, il découvre le niveau, c'est pas grave. Il va revenir. Il va revenir et il va apprendre de ses erreurs. C'est ça aussi. Ouais, mais on a été tellement réduit aujourd'hui que c'est une faute de Willian, c'est très embêtant. Voilà. Et Marc-Antoine Bourgeois qui rate son lancer franc, récupéré par Quentin. Marc-Antoine Bourgeois, on rappelle, c'est un joueur qui tourne à 11,9 points, 3,1 rebonds et 2,5 passes depuis le début de la saison. C'est des très bonnes statistiques. On va servir Thomas Van Oussem. Voilà, ouais. Il est chaud Thomas. Il va faire mal ce soir Thomas Van Oussem. Déjà 7 points pour lui, il est 7 points bordelais. 7-2 au score. C'est un match pour Quentin. Faut y aller, faut se lâcher les gars. Allez, faut venir. Et ballon gagné. Bien, bonne défense. Et Thibaut Langien. Le contre. Denis Gavzi. Et Thomas Van Oussem, Thomas Van Oussem, 9, Vov 2. Allez, Madiba, il va falloir montrer défensivement.
les Bordelais qui sont impliqués défensivement dans leur choix. Oh, oh le guide oh de Thomas Hansen. Oh la crème. Not in my house. C'est Courquette ça. Allez Thibaut, 3 points. Bang. Et les Bordelais qui commencent en trombe. Comment pour 29 à 2, non 12 à 2 pour le JSA, pardon. Ouais, quel début de match commence, et qui commence fort. Ils veulent montrer, ils vont montrer avant. Ok, on a un effectif réduit, on fait jouer les jeunes. Mais ce soir, ça va être compliqué. Et Thomas repris par le coach devant, score de 12 à 2. Et on va voir comment Vanves va s'adapter, on va voir ce que va proposer Vanves pour pouvoir s'ajuster. Et surtout qu'ils ont des coups à jouer, il va falloir qu'ils ciblent certains secteurs, notamment sur les jeunes, poster les jeunes, etc. Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Ah non, mais c'est incroyable ce début de match, franchement c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. On a vu un contre phénoménal là, quand même, ouais. Thomas. On vient de voir en deuxième lame, là. Action Courquette. Anis Gabzi qui contre Thibault Lonzième et l'arrière, ce dernier est vengé par son coéquipier Thomas Van Oussem. Moi je pense que là on va être bon pour une action Courquette là. Ouais. On parlait de l'ampleur que devait prendre Thomas Van Oussem, il le monte dans ce début de match. Ah oui, ouais, complètement. C'est, Et les Bordelais. Et Vanves, pardon. Non, qui se met en place sur l'impulsion de Bourgo. Ouais. Il faut trouver le joueur intérieur. Jules Duro. Jules Duro à 3 points. Et oui. On sait que Jules Duro, il joue un enchaînement comme ça, mais c'est un joueur qui est très très fort. C'est le genre de joueur capable de mettre 20 points sans qu'on le voit. Ouais, après, il n'y a pas des stats phénoménales depuis le début de la saison, mais. Quant à Hank, la réponse, c'est raté. C'est beaucoup. Au rebond. Thibaut à 3 points, c'est ouvert, ça va rentrer ça. Antoine Léonard est devenu un vrai joueur de rôle. Allez, oulala. Raphaël de Rose. Oh bien, tout bien. Ah, dommage. Mais c'est encore Antoine qui gêne là. Ouais. Il est toujours près du joueur là, c'est une bonne défense. Ça y est, Antoine se fait au niveau, il s'est adapté. Allez, c'est parti. 15 à 5 quand même, quel gros début de match. On ne pouvait pas rêver mieux hein, pour l'instant pour ce début de rencontre. Quentin. Allez Antoine. Ah on a cru qu'il allait prendre le tir mais finalement c'est bien joué. Madiba à 3 points. Madiba on va à 3 points. Ouf, ah, c'est dommage, c'est pas si bon que ça. Et Antoine qui sort la balle. Balle. C'est encore lui. Madiba encore. Thibaut à 2 points. Encore un autre. Pour l'instant les Bordelais sont en forme. Et passe décisive de Madiba pour. Les Bordelais sont en outsider complet là. Et ouais. La paire Lonzième Van Oussem fait très mal à avant. Ouais, on va servir. 9 points pour Thomas, 8 voilà. Pour Thibaut. Pour l'instant, lui, il n'a pas encore eu la balle. Et si Raphaël Derose avait joué, Gilles Duro qui drive. Vertus. C'est raté, Vertus, c'est pour loupé. Thomas. Qui est partout. Hein. Il est partout. C'est que les Bordelais ont besoin de transition. Quentin, oulala, il est pris de serré de près, Thomas. Quentin, encore à 3 points, c'est facile. Non, ça va être raté, Et qui est au rebond pour gêner? C'est encore Antoine Léonard. Un rebond. Ouais, il est toujours là, Antoine. Il est toujours là. Dans la transition. Gabzi. Il se déroule aussi ouvert à 3 points. Et j'ai dedans. Oh là là. Ouais, bon. Bon, Raphaël de Rose. On connaît son registre. Poste 3 très complet. Qui évolue là sur le poste 4. Ouais, avec Thibaut. C'est face à lui. Un bon duel, quand même, mine de rien. Ouais, un vrai duel. Thibaut Lonzi. Thibaut à 3 points. Ah, c'est un peu court. Ah, et rebond pour Vanves qui repart avec Antoine Bourgo, Marc-Antoine Bourgo, pardon. Et l'adresse vient un peu de descendre côté Bordelais, donc il va falloir défendre Bourgo maintenant. Qui prend le tir et qui met dedans. Ça fera 2 points. Ça revient du côté de Vanves. Vanves qui se réveille, hein, 17 à 5-0 là, qui permet de revenir à 7 points. Après, c'est le genre d'équipe, lorsqu'ils prennent une claque, et ça peut les obliger à se bouger et à se remettre dedans. Thomas Mais Van Oussem, il est ouvert, Thomas. Ah, quel dommage. Rebond pour Marc-Antoine Bourgo. Et je pense qu'il faut qu'il joue plus longtemps. Aller chercher à l'intérieur, alterner. Et ballon gagné par Antoine Léonard. Quel travail d'Antoine. Quel travail défensif extraordinaire d'Antoine. Quelle progression. Madiba. Ouh, dommage. Il prend bien Madiba. 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 Madiba qui vient de faire là. Superbe.
le jeune Madiba Owona qui explique à son coéquipier Willan, t'inquiète pas. Ouh, 19-12 au score. On avait dit, se rend coup pour coup là depuis 2-3 minutes. On se rend coup pour coup. Depuis quelques minutes là. Et Marc-Antoine Bourbeau qui montre que voilà, c'est, il a un vrai shoot. Hein. Il a un vrai shoot. Thomas Van Ossem. Allez, il faut aller chercher près du cercle. Oh, il est passé. Allez, magnifique est passé. À ma gauche. Vertis aujourd'hui ce soir. Et dans la difficulté défensivement, on sait qu'il a pris une faute, donc il veut pas aller trop jouer physique. Allez, il est passé, magnifique, magnifique action. Avec la petite main gauche là en finition, c'était très propre. Et bon, encore Marc-Antoine Bourbeau, ah c'est ça, c'est raté. Et le rebond sera rendu, la balle sera rendue à l'équipe de Vence. Et on va jouer très très petit du côté de Vendre. Car Vertis qui est sorti et Pingo qui est sorti. Ouais, ouais, en Pingo, attention, hein, voilà, c'est un joueur qui peut facilement prendre feu. C'est un peu le Quentin Hank d'il y a deux ans. C'est un homme, voilà, hein. qui n'a rien à perdre, qui est très adroit. Et c'est. Ouvert à 3 points, on sait qu'il est capable de mettre ce genre de tir. C'est raté, rebond pour Madiba. Rebond Madiba. D'ailleurs, donc il y a Antoine qui est sorti là, qui a tellement donné et qui est remplacé par Kevin là pour. Kevin pour qui a minutes, une vraie carte à jouer, qui est un très très bon joueur, très athlétique. Et Kevin qui a joué 10 minutes lors des deux derniers matchs, hein. Donc c'est pas mal. Le duel de ce soir. Allez, Kevin au rebond, dommage. Allez, plus de dureté, garçon. Et Vent va la relance. Bourgo. Et on voit des postes 3 devoir jouer poste 4 car il manque d'intérieur. Et quand t'as Hank à la relance, passage en force. Et Gilles Duro avait bien joué le coup. Oh, t'as de l'enfant pour quand t'as. Et finalement, les Bordelais sont devant de 9 points, 21-12. Passage en force du numéro 46. On indique à l'arbitre. Passage en force de Quentin Hank. Ouais, qui a pas l'air tout à fait d'accord avec la décision de M. Bertorel. Hein. Ouais, peut-être que c'est une décision de no call, on sait pas trop vraiment. Pour moi, Gilles Duro était placé. Ouais, le joueur avait l'air d'être placé. Est-ce que Quentin a fait l'intention d'aller. Dites-nous sur le live, quels sont les. Quelle est la règle exactement? Ouais, Bourbeau. Bourbeau qui fait un gros travail. Hein. Il va faire très mal ce soir. Bah, on l'avait dit, hein, s'il y a un joueur à surveiller, il en fait partie. Hein, voilà, avec des roses. Et c'est vrai que c'est. C'est un joueur qui a quand même voilà, un vrai impact depuis le début de la saison. Il est déjà. Joueur d'expérience, hein, 80 ans maintenant, voilà. Et, il est déjà à 8 points. Qui sort des sports de Cholet. Et on connaît le niveau du centre de formation de Cholet. Oui, là, oh, qui sont passés. Ouais, c'est reparti avec Thibaut, Thomas, Antoine qui va revenir déjà. Ouais, dommage. Balle perdue, récupéré par Antoine Bourgo qui repart en contre-attaque. Clément Pingo. Ouais, qui marche. Mais ça, contre-attaque. Et voilà, c'est le duo qui marche bien du côté de Vent. 21-17. Les Bordelais sont à 4 fautes. Vent est à 2 fautes d'équipe. Et il reste une 50 à jouer dans ce premier quart. Et on va servir. Eh oui, il faut lui servir. Il y a un mismatch. Il y a 4 points. Bien. Allez, va marquer ça avec le contact. Allez, dur. Et Kevin. Allez, Kevin. Ah, dommage. Il a voulu jouer le contre. Il aurait pu aller chercher la planche, là, techniquement. Kevin Baitouman. Et Raphaël De Rose. Oh, le tir à trois points ouvert pour Bourbeau. Oh là 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 là. C'est bien joué. Oh là là. Vendre revient au cœur des Bordelais. Unstoppable. Bourbeau. Ah oui, déjà. Impressionnant. Déjà 12 points. Bah là, il est brûlant à 12 points. Et Vendre qui revient à un point à 12 points pour Bourbeau. C'est impressionnant. Il a déjà mis plus de la moitié des points de l'équipe. Il fait beaucoup de bien à l'équipe de Vendre. Les Bordelais qui avaient stabilisé défensivement puisque ils étaient à 21-12, ils avaient laissé encore à 3 minutes. Il y a 2-3 minutes, Vent va à 12 points. Il va falloir stabiliser ça. On a vu Bourgo qui essaie de montrer très, très impactant par les drives, par l'adresse. Voilà, il va falloir régler ses problèmes défensivement, plus de communication, être moins en retard dans les rotations.
Et le premier sanglier, parce qu'on sent qu'ils ont envie, on a vu des belles choses. Ah non, on a vu des très belles choses. Après, voilà, il fallait s'attendre à que, voilà, ce début de rencontre, voilà, était quand même phénoménal. Mais voilà, il fallait s'attendre à une réaction quand même devant en face. Elle est arrivée avant tout de Marc-Antoine Bourbon, voilà. C'est vrai, comme tu dis, 21-12, ça veut dire qu'on a pris un 8-0. Il va falloir qu'on arrive à réagir, à essayer de réajuster certaines choses. On montre de très belles choses, à l'image d'Antoine là, qui se bat comme un lion en défense, ouais. Qui a déjà 4 rebonds, qui a déjà 2 passes. Omniprésent, voilà. Gagné. Ouais, il a une interception aussi, effectivement. Et voilà, il faut continuer comme ça, dans cet état d'esprit-là, et ça va le faire. Antoine qui revient donc à la place de Madiba, qui a fait aussi un très bon passage avec 2 points, un rebond et 2 passes décisives. On espère qu'on va retrouver Madiba sur terrain parce qu'il mérite d'avoir un peu plus de temps de jeu. Madiba qui a joué 7 minutes, c'est très bien déjà. Et toi, t'as avec 2 lancers. 2 lancers si, pour Thomas. Si Thomas Van Oussem fait du mal aux intérieurs devant, c'est lui la solution pour gagner le match, je pense. C'est lui qui va leur poser problème. Et c'est lui qui va ouvrir les brèches après pour les shooters. Ouais, comme Quentin Hank ou Thibault Lonzième. Ou même Willan s'il est sur le terrain. Et on sait que Madiba aussi est capable de mettre des tirs. Ah oui, Madiba, mais là, il en a mis un contre Chalon. Il a mis 5 points en 4 minutes. Il a mis un tir à 3 points là aussi. De loin, vraiment de loin, quasiment 8-9 mètres là. Donc c'était. Ouais. C'est un joueur qui se montre très adroit. Pour la petite histoire, le jeune Madiba Ouna fait partie des rares Bordelais à avoir eu un titre en équipe jeune à Bordeaux. Il était champion de France en U15, en U15 élite, il y a ça 2 saisons maintenant. Ouais, Madiba, voilà, qui va prendre le relais du mythique Ben. Et faute, siffle l'arbitre. Il faut bumper cette entrée là, cette coupe de l'ailier opposé lorsqu'il y a le jeu post-bas. Et première faute de Antoine Léonard. Ouais, Madiba, comme on le disait, c'est c'est le fils de l'illustre Doc Ben. Ouais. Une des légendes du basket bordelais. Ah, c'est vraiment le mot. Ouais, une légende des GSA, oui. Et une légende maintenant, comme tu dis, du basket bordelais, un grand monsieur, à tous les sens du terme. Oui, et c'est clair. Voilà, c'est génial de voir Madiba jouer en fait avec les GSA, oui. Quelque part. Oui. Voilà, de voir évoluer, il y a une sorte d'héritage qui se transmet. C'est exactement ça. Allez Antoine. Antoine qui cherche Thomas, ça, Gilles Duro, il peut y aller là. Quentin Hank à l'opposé. Antoine à 3 points. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Antoine Robert à 3 points. Bang. Jules Doron n'en croit pas. Ben oui, il peut tirer, monsieur. Il peut tirer. Et il en a mis un aussi à Chalon. Il commence à les mettre, il tire à 3 points là. La marge d'erreur aujourd'hui, elle est moins grande. Allez. Rebond. Allez, c'est le tir raté, allez. Voilà. Bon signe, Marc-Antoine Bourgois a raté un tir. 25-21, il restera 17 secondes à jouer et c'est la dernière possession par les Bordeaux. Allez, comme d'habitude, le JSA, un petit shoot au buzzer là, allez, on y croit. On n'en parle pas, mais Quentin Hank va un fabuleux travail dans la gestion de ses joueurs à la main. On sait qu'il est capable de scorer, on l'a vu il y a quelques semaines face au Sable d'Olonne. Donc là, ce soir, il est dans la gestion, mais on sait qu'il va être capable de pouvoir mettre des tirs, de scorer, de créer pour lui. Il a scoré aussi, hein, finalement, il a scoré, je sais plus combien, 17 points, je crois, contre Chalon. Voilà, donc c'est pas mal. Hein. Non, Quentin, il score. Allez, 3 secondes. Oh, c'est bien joué. Non, dommage, je le pied sur la ligne. Il faut qu'il ait d'abord les deux appuis avant de recevoir le ballon. C'est dommage, qu'il avait mis en plus. Allez, 8-10ème. Voilà. Le tir ne sera pas accordé. Fin de ce premier quart-temps sur le score de 25-21. Pat, on a vu des Bordelais très très adroits, très très appliqués défensivement, mais aussi une équipe de Vanves à l'image de Marc-Antoine Bourgo. Marc-Antoine Bourgo, pardon, qui a été adroit, qui ne va rien lâcher l'affaire, on le sait. Arnaud Derose, pour l'instant. Raphaël Derose, pardon. Arnaud, c'est son petit frère. Raphaël Derose, pour l'instant, n'a pas encore sorti le grand jeu. On sait que Gilles Doureau est capable de surer. Qu'est-ce qui va permettre aux Bordelais de maintenir le cap? Bah, je pense qu'il faut qu'on continue sur cette façon de jouer qui est un peu moins sur du jeu rapide comme on l'a vu ces derniers temps.
les absences font qu'on est peut-être obligé un peu de gérer un peu le tempo pour éviter de fatiguer les organismes, parce qu'on a un effectif ultra réduit. Et voilà, continuez à pouvoir gérer le tempo, continuez à pouvoir défendre dur comme ça. Attention aux fautes, ça va être un facteur hyper important, les fautes. Si on prend trop de fautes, à un moment donné, on va plus pouvoir défendre comme le fait Antoine, là, de ouais. façon très agressive, ouais. très présente et tout. Peut-être qu'à un moment donné, si on a trop de fautes, on va être obligé de prendre un peu plus d'écart par rapport aux joueurs. Et ça risque de libérer peut-être des espaces avant. Mais continuez dans cet état d'esprit, défendre dur, bien gérer le tempo, continuez à servir Thomas dessous. Exactement. Voilà. Servir Thomas qui a fait très mal en premier carton avec 12 points. Ouais, c'est à 12 points. Et puis on a vu que, comme tu le disais, en servant Thomas, il a réussi à créer des brèches après derrière sur des tirs à 3 points ouverts. Résultat, après le début de match de Thomas, on a eu droit à 2 tirs à 3 points de Thibaut. Oui. Parce que justement, ça a ouvert des brèches, des prises à 2 sur Thomas. Et ça libère des shooters après derrière. Et nous, on sait qu'on a des shooters. Allez, c'est reparti. Donc sur le terrain, on a qui ? On a Quentin Hank, Thibaut Lonzième. Il y en a Thomas, Antoine et Kevin. Kevin et Maïe Thomas. Et côté Vanve, on a Brigion, Pingo, Bourgo, Gapsi et Des Roses. On n'est pas loin de meilleurs 5 hein, pour Vanve là. Et on va servir. Il a marché, je pense qu'il a marché là. Ouais, ouais il y est, mais sur le départ là, il a marché. C'est dommage. Hein. Sur les 10 parts directs, on siffle au marché maintenant. Ouais, d'accord, on va voir. C'est dommage parce que on sent que Kevin a envie de prendre des initiatives et il est capable de les faire. Allez, voilà, bonne rotation. Bonne rotation de la part des Bordelais. Attention, Raphaël Desroses. Il peut faire très mal. Et qui va servir Bourgo. Brigion à 3 points. Non, ça, désaxé. Rebond pour Thomas. Oui, il faut les obliger à prendre ce type de tir là. Allez, vas-y, on fait là avec ce 5 sur le terrain pour Vanve. C'est un des meilleurs 5 possibles pour eux. Avec des joueurs quand même de scorer, donc. C'est là qu'il va falloir qu'on tienne. Et on en fait un peu court pour Antoine. Rebond pour Raphaël Desroses. C'est pas grave, il faut qu'il les prenne. Ah, il faut les prendre. Il faut les prendre. Il n'y a pas de. Voilà, c'est pas grave. Ok, c'est très court, mais c'est pas grave. C'est Raphaël Desroses qui met son place avec son coéquipier Gavzi. Brigion, transfert pour Gavzi. Face à Antoine. Ouais, qui fait parler ça. Oh, la deuxième faute d'Antoine. Oh là 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 là. Faute de corps. Antoine qui est arrivé. Qui arrivait un peu tard, qui était devant, mais il aurait dû plutôt bien fermer derrière là et laisser Thomas venir, dirais le contre. Est-ce qu'il est... Et Antoine, j'ai Léonard, peut-être, j'ai peut-être, place peut-être, à Madiba. Peut-être je me trompe, mais je trouve cette faute sévère. Elle est sévère, mais il y a faute. Après, est-ce qu'à ce niveau-là, on siffle, on laisse jouer ? Est-ce que. Voilà, l'arbitre la prend. Peut-être laisser la faute sur le drive, parce qu'il y avait une faute lorsqu'il drive. Peut-être, mais, voilà, peut-être sur le drive, ouais, mais après on n'a pas le sentiment qu'il... Peut-être sans doute sur le drive, comme tu dis, mais après, je ne suis pas convaincu qu'il y ait une faute, mais bon. On s'est décifflé, de toute façon, on dit toujours que l'arbitre a toujours raison, donc voilà. Et, de toute façon, on ne reviendra pas sur la décision. Ce qui est embêtant, c'est qu'on a Antoine et Willan avec deux fautes chacun. Et 2 sur 2 pour Anis Gavzi. Le Madiba qui revient à la place d'Antoine. Allez, coupe, il faut. Bien la coupe de Thibaut Lonzième. Oh là là, il va le perdu. Récupéré par Antoine Bourgo. Et Gavzi. Ah oui, ouais, il a joué Madiba. En transition, les vents revient à 25 partout. Ouais, ben là, le match-up est compliqué pour Madiba face à Gavzi. Un joueur qui a tellement d'expérience. Qui Il faut tout est physique. Qui peut scorer, voilà. Donc c'est. Oh là là, Quentin. Qu'est-ce que c'est fort, ça ! Oh, dommage. Quel dommage. C'est pas payé. Allez, Quentin, ça fait deux jours qu'il donne des cours de salsa aux défenseurs. ça fait deux week-ends qu'on le voit faire danser les joueurs. Ah oui, complètement. Il y aura deux lancers francs pour Quentin. Allez, deux lancers pour Quentin. Et pour ouvrir son compteur point, tout simplement, oui. Qui a toujours pas marqué. Allez, Quentin, le premier est dedans. Voilà aussi, c'est bien parce qu'il prend les choses en main. On l'a dit, il a fait un sacré boulot. Si les GSA ont été à droite, on peut avoir des situations au premier quart-temps. C'est parce qu'il l'a mis en place, il s'est mis en retrait, il l'a organisé, il a fait jouer, il a cherché à servir Thomas. Voilà, il sait qu'il est capable de jouer pour lui aussi. Quentin Hank, c'est un peu le Stephen Curry des GSA, quoi. Ouais. Il fait danser ses adversaires, quoi. C'est ça. Ah oui.
Clément Pingot. Marché sur cette action. Bien joué, Clément Pingot. Ah, l'arbitre estime que non, il n'y a pas marché. Ouais, c'est bien joué, on l'avait dit, attention, Clément Pingot qui a marqué beaucoup de points en peu de temps. Et on va servir le monstre, Thomas Van Noussen. Et Kevin, il faut prendre le tir. C'est un tir. Dommage. Et rebond de Madiba. Oui, il n'y a pas faute là, pardon. Et l'arbitre ne siffle pas la faute. Excusez-moi, pardon. Et le rebond de Madiba. Allez, Kevin. Et Kevin. Ça. Kevin. Kevin Mbappé, le jeune bordelais. Tu vas écraser ça. Oula, regarde Kevin derrière là. Ça y est, il en sent que c'est parti là. Et Vance n'y croit pas, regardez sur le banc la réaction, il s'est dit mais comment c'est possible? Les jeunes mettent des tirs, les jeunes ne veulent jouer. Eh oui, les jeunes n'ont pas peur. Attention le tir, tiens, droit de tir, la terre, 3 points. Clément Pingot qui se bat et qui va récupérer le ballon. Ah oui. Ah c'est... Le rebond facile de Madiba était énorme. Mais j'ai l'impression qu'il y avait faute sur cette action. Ouais, je me suis un peu enflammé d'ailleurs, je m'en excuse. Mais j'avais l'impression qu'il y avait faute sur ce rebond facile de Madiba. C'est... Et surtout, voir les jeunes jouer à ce niveau, ça fait plaisir. Le projet qui a été mis en place est lancé par Mathieu, Jérémy Sarr, Joachim, dans la formation des jeunes, et est peut-être en train de porter ses fruits. Ouais. Allez, tire à 3 points. De Brigion, c'est raté, rebond pour Kevin. Kevin. Je suis entièrement d'accord avec toi. Les circonstances font qu'on est, on est obligé de lancer les jeunes, et ça leur, fait de, ça leur donne une expérience et une confiance géniale. Thomas Van Noussen qui s'en sort bien. C'est génial pour ces jeunes qui peuvent voilà, accumuler de l'expérience. Qui peuvent accumuler de l'expérience. Et voilà, là on va revoir le dunk de Kevin en replay. Voilà, regardez, on revoit ce dunk, ligne de fond, magnifique. Le rebond de Madiba. Madiba. C'est l'intuition des jeunes qui ressort la balle. Voilà. Le drive de Quentin Hank qui sert bien Kevin. Kevin qui fait confiance alors qu'il devrait atteindre. Kevin avec Kevin, ses grands bras, sa taille et ses qualités athlétiques qui va écraser ça. Et on rappelle Kevin Mbaïtouban fait partie de ces joueurs formés à Bordeaux qui n'a pas connu de centre de formation, qui n'est pas passé par Minim France ou Cadet France. Pourtant il y a des minimes élites au JSA. Mais l'année où même il est passé Cadet, il n'y avait plus les U18 élites. Et voilà, il, à force de s'entraîner, à force de progresser, comme un Antoine Léonard, il a du temps de jeu au vu des circonstances. Mais en fait, t'as totalement raison, ça ressemble vraiment à un parcours à Antoine Léonard. En fait, voilà, c'est un joueur qui a saisi sa chance à force de travailler, voilà, et qui aujourd'hui a une vraie carte à jouer. Et c'est, ça fait plaisir parce que Kevin, voilà, c'est pour l'avoir interviewé cette semaine, pour le shoot à 3 points, il disait que s'il devait désigner une salle, ça serait les Peupliers parce que c'est là qu'il a passé le plus de temps. Ben oui. Donc ça veut tout dire. Allez, rebond. Des roses à 3 points, c'est raté. Rebond de Quentin. Attention à ce genre de tir là de Raphaël Derose, il va pas en rater beaucoup si on lui laisse ouvert. Et là, nos Bordelais qui retrouvent un bon regain de forme là tout d'un coup. Oui. Elle est 25 partout maintenant, 31-27, c'est très bien. On a retrouvé du jus là. Et la coupe. Thibaut, c'est bien joué. Ah, allez, Thibaut, bah, c'est bon. Son propre bon. Non, oh, c'est pas payé. Dommage. Oh là là. Vent va la relance. Oh, Quentin. Bien joué, Quentin, qui s'est sacrifié. Et oui, à l'expérience. Bah oui, aujourd'hui, Quentin, qui est un jeune joueur, mais c'est parti avec Thibaut Lanzième, des joueurs les plus expérimentés sur le terrain. Ah, ça veut tout dire, c'est la moyenne d'âge de l'équipe aujourd'hui. Oh, Thomas, quel shoot. Quel shoot. Bang, bang, bang. Marc Judith, pardon, qui a fait son entrée du côté de Vanves pour faire siffler à Anis Gabzi, qui va voler sur le poste 4-5. Oh, ce drive là, bien joué, et la faute. La faute de Kevin. Et la deuxième faute de Kevin à Mbaïtoubam, qui fait très mal. Parce on a trois joueurs de faute là. C'est vraiment dommage. On va en gérer ce problème de faute, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est là que ça pourrait peut-être pêcher pour nos Bordelais. Aujourd'hui ils vont être importants, donc il faut pas qu'ils fassent de fautes. Score. Le premier lancé raté par Clément Pingot, pardon. 34-27 au score. Alors c'est vrai que Thomas il est déjà à 17 points, c'est incroyable. Quel premier mi-temps exceptionnel de Thomas. On l'a pas vu, mais Thomas est déjà à 17 points. Ouais. Il est parti peut-être pour faire son record en carrière, tout simplement. On a salué toute sa jeune carrière, mais c'est vrai qu'il y a une petite. Enfin, ce qu'il donne aujourd'hui, c'est impressionnant, quoi. Extérieur, intérieur, il est là, il est.
il sait que voilà, il va avoir des responsabilités énormes et il est saisi quoi. Il saisit sa chance. Et Madiba avec Kevin. Ah oui, on fait évoluer un peu Quentin en poste. Quentin, après, voilà, qui essaie de se libérer et là il va être ouvert. Bang, 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 quel shoot de Quentin. Quel travail de l'équipe. Levent qui va prendre un deuxième temps mort. Et les Bordelais qui sont repassés à 10 points, à 4 possessions d'avance. Les Bordelais qui sont en place. L'équipe jeune des Bordelais, on va pas se mentir. C'est, on a l'impression, ce soir, on voit une équipe espoir jouer au vu de la moyenne d'âge. Et les Bordelais sont en place. On en profite, pardon, de ce temps mort pour vous rappeler les challenges VVF. Donc, je réexplique. Alors, il faut regarder le match et trouver le logo au concours VVF, donc Village Vacances Français, pardon. Ensuite, prendre une capture d'écran, une photo de l'écran avec le match et le logo du concours et partager en story Instagram et identifier les comptes Village Vacances Français et GSA BMB. Évidemment, il y aura un tirage au sort, vous serez appelé, vous serez nommé lors de l'interview des GSA BMB. Et donc, je disais... les Bordelais sont en place. Quand un oncle même évolue au poste 2, il donne des responsabilités à Madiba, il n'a pas peur de faire monter la blague, de faire monter la balle. Mais ce dernier, tu vois, ce dernier panier de Quentin, on a vu tout le travail, le sérieux de l'équipe, comment ils se sont impliqués pour le libérer avec des écrans à l'opposé. Quentin qui sort en catch and shoot. C'est ça. Voilà, c'est. Ils l'ont libéré parfaitement avec un tir ouvert. Et si on arrive à trouver des tirs pour Quentin, ça peut être très bon signe pour notre équipe ce soir. Et on joue très très petit du côté de 20 en 20. La plupart des joueurs qui sont là dans l'UNKR, ils ont joué poste 3. Mais oui, Raphaël De Rose va faire très mal, on le sait. Il va pas lâcher l'affaire lui ce soir. Non, il va pas lâcher l'affaire, même si pour l'instant il est un peu discret. Mais c'est peut-être avant de mieux jaillir en fait. Mais Willan qui va revenir sur le terrain. Et Quentin, et Quentin un petit oh, oh, que c'est propre. Oh, oui, tu le disais, c'est le Steph Curry bordelais. Quentin marque que des paniers d'adresse. Des tirs à trois points, de fauteurs, tirs à trois points, un petit exceptionnel là. Et Raphaël De Rose. Ça y est, c'était sur un tir Kobe-esque. Un tir à la Kobe. Ouais, un fade away. Ouais. Fade away. Oui, alors par contre, ça serait bien que Raphaël De Rose ne prenne pas feu, si c'est possible. Oula. Quentin, tu n'as pas peur. Et le rebond. Ah, là, Clément Pingo qui va partir en contre-attaque. Et oh, bien joué. Et les bonnes mains. Les bonnes mains de Thibaut Longzième. Ah, là, et ça va être ouvert. Quentin en couvert en transition. Ah, c'est court. Il récupère son propre rebond. L'équipe devant, on n'est pas concentré. Kevin, il va le prendre. Kevin, il va le prendre. Et Kevin, il va quel match du jeune Kevin Mbaitouban. Kevin Mbaitouban, s'il vous plaît. Et Star is born. Ça y est, on sait que c'est un joueur qui est capable de progresser très très vite. Ah oui, il faut servir, il faut se trouver le mismatch sur Madiba. Et ils sont doublés, les Bordelais. Ballon gagné encore. Ballon gagné par Bordeaux. Allez. Et faute. Et faute. Faute de marche. Effectivement. Oui, ça fait plusieurs fois qu'il court. Marc Judith qui est là pour faire siffler. Marc Judith qui a un temps de jeu extrêmement faible. Hein. Oui. Il ressort déjà d'ailleurs. Ouais. Il joue pratiquement pas en fait. Et on va jouer ultra small ball. Ah non. Je pensais que Thomas Van Nostem allait sortir. Non, pardon, c'est lui qui va faire la remise en jeu. Et c'est Willet qui a remplacé Madiba. Oulan, à qui le coach Mathieu Hubert a décidé de redonner sa chance après ses deux fautes. Et là, je pense qu'il a 2-3 minutes pour se rattraper. C'est vrai qu'on aimerait bien voir Oulan s'exprimer. Le problème, c'est ses deux fautes rapides là. On va tomber la première mi-temps. Virtus. Quentin Hank. Oh, bien joué. Encore un tir pour Kevin. On va servir Kevin. Oh, il le rebond de Oulan. Le rebond de Oulan. Et la passe d'Es. Ah, quel dommage. Et derrière, la contre-attaque de Brégion. Oh là, quel dommage. Un peu tard, le contre-attaque. Ouais. Elle était en phase descendante. Et ouais, le ballon a touché la planche. Le ballon a touché la planche. Voilà, donc oui. Et Thomas qui est monté très très haut.
Ah oui, vous voyez, Quentin qui est défendu ultra haut pour pas qu'il, pour pas laisser s'exprimer, pour l'obliger à s'épuiser, pour se faire fatiguer. Ouais, on voit Quentin qui essaye de se, libérer, mais avec les tirés de près par Thomas Brégion. Il faut servir le monstre, ben oui. Bien joué. La bonne coupe. Et la faute. Et toi, sur Kevin. Kevin, ah qui, Kevin qui est en confiance, il faut le dire, voilà, il a confiance, tout simplement. Oui, oui. Et il y aura deux lancers francs. Ah non, pas lancers francs, touche au fond. C'est la quatrième fois d'équipe là devant. Kevin qui lit bien le jeu dans le jeu sans ballon un peu. À l'image d'un Thibaut Lanzième. Allez, allez, il va falloir la faire. Ouais, Kevin il se propose bien, il sous le panier, voilà, des coupes aussi. Prendre bien la ligne de fond aussi, c'est très intéressant ce qu'il nous montre ce soir. Oh la Thibaut. Oh, sur Thibaut Lanzième. Oh, quel dommage. Il y aura deux lances. Thibaut qui est allé à la corde là. Hein, oui. Voilà. Pour l'instant, les Bordelais font très très mal à l'équipe de Vence. Tout devant, défensivement, ils mettent de l'impact, mais ils le mettent un peu tard. Ils ne défendent pas avant. Ils sont focalisés sur Quentin Hanck. Ça ouvre des brèches pour les Bordelais, pour les jeunes Bordelais qui, s'expriment. Et peut-être que justement, le fait de faire entrer un jeune face à des jeunes, ça va leur permettre de créer quelque chose. On est à 2 minutes de la mi-temps, et soyons honnêtes, ce qu'ils nous montrent, c'est magnifique. Oui. Voilà. Mais on commence à être habitué en fait à tous ces matchs à domicile où l'équipe se lâche, est en confiance, on sent que voilà, c'est. Et se transcendent, ils sont chez eux, voilà, ils n'ont pas peur, ils prennent des initiatives. Et voilà, exactement, voilà, les jeunes là, voilà, ils sont en train de vraiment d'emmagasiner une expérience qui, quoi qu'il arrive, leur sera hautement bénéfique plus tard. Et 2 sur 2 pour Thibaut Lanzième, on a ce point. Du côté de Bordeaux, il y a du côté devant, le jeune est rentré. Et on va servir Raphaël De Rose à 3 points. Ah, il va pas beaucoup rater. Ouh, et ça. Ah, oui, dommage. Juste pour la claquette. Dommage cette claquette de Vertu. C'est vraiment dommage. Et bien, Sébastien Vertu qui ouvre son compteur aussi. C'est le premier point du match. Ah, Thomas qui aurait presque pu prendre le tir. On va servir. Kevin, ah, j'ai cru qu'il allait prendre le tir aussi. Et il va le prendre quand même. Il va le prendre quand même. Il a pas peur, Kevin. Il faut le. Il a pas peur. Il est capable de prendre ce genre de tir. Hein. Et Gilles Duro qui va poster le jeune, forcément. Et faute. Faute de Thibaut Lanzième. Oh, je crois que c'est Willan. Hein. Willan ? J'ai peur que ce soit Willan, la troisième. Ah. Je crois que c'est ça. Ah, le pauvre Willan. On est pas, ça fait de la peine pour Willan, on sait qu'il a un gros potentiel et là il est plongé par les fautes dans cette première mi-temps, c'est terrible. Il a été ciblé, Gilles Duro était intelligent, il allait le poster. Mais moi je pense que c'est Thibaut Lanzième qui fait faute quand il vient aider Willan, et pas forcément Willan. Mais moi je pense que t'as raison. Mais bon après, voilà, c'est... Alors, premier lancé marqué... C'est une décision qui a été prise, voilà, c'était... Pour Gilles Duro. Et 1 sur 2. Et Madiba qui met en place son équipe avec confiance, le jeune Bordelette, 16 ans sur le terrain. Et Thibaut qui, pour le coup, lui, il n'a pas de faute hein, dans sa première mi-temps, donc ça c'est très bien. Et il faut servir Thibaut Lanzième. Et Thibaut, 3 points. Un peu court. Et le rebond de Madiba dans la hauteur. Oh là, mais Madiba, qu'est-ce qui est présent, Madiba. Ils se sont gênés avec Thomas Van Oussem. Quelle détente de Madiba quand même. Oh, ah, faut le siffler. Alors, je crois que c'est la malédiction du commentateur, j'aurais même fait de me taire. Parce qu'il y a 2 secondes, je disais que Thibaut avait pas de faute. Je pense que là, j'ai plus qu'à aller me coucher. Voilà, c'est... Ouais. Et c'est incroyable cette malédiction quand même. Ouais. On dit quelque chose et c'est ce qui se passe juste après. Non mais c'est dingue. Et Madiba, qui se montre agressif défensivement. Allez, il faut doubler sur De Rose. Et Gilles Duro qui ouvre la porte. Il faut être plus près, là, il faut être plus près. C'est raté. Le tour, le chute qui était très désaxé de Gilles Duro. Allez, Madiba. Ah. Le run and gun, là, c'était presque possible de prendre un chute en première attention. Oh, la faute. Oh, Quentin. Un chute à Steph Curry. Qu'est-ce qu'il est insolent. C'est un chute à Steph Curry. Sur un pied, là. Voilà. Ah, c'est Dirk Nowitzki qui nous faisait ça sur un pied. Et les Bordelais qui arrivent à replier, à obliger Vanves à jouer longtemps, à jouer sur jeu placé. Et marché au départ du marché jeune. De Diane. Pumphrey Diane qui vient de rentrer quoi, oui. Il y a 2 minutes. C'est ça. Jeune joueur aussi. Hein. Jeune joueur de 18 ans.
Allez, temps mort. Temps mort demandé par Mathieu Hubert. Ouais, à 25 secondes de la mi-temps. Alors, ça y est, bon, ça serait on sait qui va se prendre le shoot. Oui, je pense qu'il n'y a pas trop de doute, mais en fait, ça peut être un leurre aussi. Oui. Mais toujours est-il que cette possession est très importante, ça serait bien de pouvoir scorer sur cette possession et d'aller au vestiaire avec 9, 10 points d'avance. 9, exactement. Là, déjà 7, c'est très bien. Mais voilà, il faut essayer d'avoir un matelas parce qu'on sait qu'on va, on va avoir une grosse fatigue en deuxième mi-temps. Donc voilà. C'est ça. Et surtout que je pense que Vanves et tous ceux qui connaissent le basket en France savent que les équipes parisiennes, les équipes de, qui viennent de la région parisienne sont des équipes très physiques et athlétiques. Donc en deuxième mi-temps, le jeu va être physique, ça va jouer dur, ils vont jouer avec de l'intensité. Voilà, ils vont peut-être défendre tout terrain très très fort. Et c'est une équipe qui n'est pas très grande, donc ils ont des joueurs assez mobiles. Et ils vont vite rentrer dans le lard des Bordelais, surtout sur les jeunes. Donc il faut avoir ce matelas d'avance pour ne pas subir l'impact physique. C'est sûr que des joueurs comme Bourgo, comme Desroses, ils vont pas hésiter à venir poster, attaquer les jeunes. C'est ça. Pour essayer de les faire sortir du match. Et la mission est déjà plus ou moins accomplie avec Willan, donc voilà, c'est... Oui, qui est déjà à 3 fautes. Ouais, franchement, c'est frustrant pour Willan, qui a pas vraiment pas pu s'exprimer dans cette première mi-temps. Il a pris les 3 fautes, quasiment 3 minutes de jeu, quoi. Oui. C'est dur, parce que voilà, c'est un joueur qui a un potentiel, on le sait, mais... Ouais, forcément, là, il a pas pu l'exprimer, il a été plombé par les fautes. Allez, Thomas. Ouais, qui trouve Quentin, 3 points, c'est ouvert. Oh, et le rebond de Kevin. Avec Madiba. Oh, bien Madiba, bien, l'expérience Madiba. Pour le coup. Oh, quel match ce soir du jeune Madiba. Un Madiba qui va avoir un temps de jeu, je crois qu'il va exploser son plus gros temps de jeu en National 1. Et qui va ça va permettre de lui ouvrir aussi du temps de jeu sur les prochaines rencontres. Lui donner de la confiance aussi, beaucoup de confiance. Et je pense que c'est des jeunes joueurs qui ont besoin de confiance en fait, tout simplement. Thomas, oh quel toucher difficile. Oh c'est dommage, c'est pas loin. Fin de cette première mi-temps sur le score de 43-36. Très 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 grosse première mi-temps de la part des Bordelais, notamment de la part des jeunes. Mais aujourd'hui, ça fait plusieurs matchs quand même qu'on voit les jeunes s'exprimer, prendre des initiatives. Même le coach sur le banc ce soir est un jeune coach. Voilà, on va dire l'effectif National 1 Bordelais. C'est un effectif, comme tu disais, c'est presque un effectif espoir. Hein. Oui. Voilà, c'est. On en profite de cette mi-temps, car il y aura l'interview de Mathieu Azouar. De Mathieu Azouar, oui. Voilà. Mathieu Azouar, qui est adjoint au maire en charge des sports et des relations avec les associations et les clubs sportifs à la mairie de Bordeaux, et qui va venir nous parler un peu à la mi-temps. Donc on l'attend. On attend son arrivée. On attend son arrivée pour pouvoir procéder à l'interview. On va l'interviewer, on se retrouve après dans quelques instants. Je m'équipe de tout ça, c'est ça? Ça va? Ça va, toi aussi? Donc comme on l'avait dit, on se retrouve donc avec Mathieu Azouar. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Voilà. Merci d'être venu soutenir les JSA. Déjà, comment allez-vous? Eh ben plutôt pas trop mal. On espère que ça ira encore mieux dans les prochaines semaines. Ouais, c'est clair. C'est un petit mot sur notre première mi-temps déjà, avant. Bah, globalement, je trouve une belle défense des JSA. Je pense que c'est aussi la force de cette équipe qui, malgré les différentes blessures, malgré un début de saison un peu difficile, fait preuve d'une belle abnégation et une première mi-temps très plaisante. Oui. On va venir sur votre rôle. Donc, pouvez-vous nous parler donc de votre action dans cette période compliquée pour le sport professionnel et amateur? Oui, je le disais un peu tout à l'heure, une situation un peu compliquée. Hein, on le voit bien, des matchs à huis clos pour le sport professionnel, le sport amateur qui se trouve globalement dès lors qu'il est dans des salles totalement à l'arrêt, ou dehors les jeunes peuvent reprendre, mais les compétitions sont arrêtées. Donc il n'y a plus cette adrénaline, il n'y a plus forcément la même motivation, mais globalement l'objectif de la ville de Bordeaux, c'est de pouvoir accompagner tout le mouvement sportif dans ce moment un peu compliqué. Alors quand je dis accompagner,
parce qu'il y a aussi des situations financières délicates. Donc la mairie de Bordeaux met en place un fonds spécialement pour aider les associations de 2 millions d'euros. Et puis à la rentrée, nous allons mettre en place un passeport qui va permettre aux jeunes dans les familles, je dirais, les plus en difficulté, de pouvoir payer une partie de leur licence ou de leur la prise en compte de leur adhésion à des associations. Voilà. Mais je dirais, c'est d'être au quotidien. C'est par exemple ma venue ce soir aussi pour montrer qu'on est là en soutien. Mm-hmm. Et je l'espère que nous pourrons organiser au début de l'été aussi une belle fête du sport à Bordeaux. Oui, c'est vrai que là, la situation est vraiment complexe. On le voit avec les clubs amateurs qui souffrent. Notamment, donc, on espère qu'on va vite se sortir de cette situation. On espère vraiment parce que là, ça devient compliqué. On a le sentiment. Autre question, quelle est votre vision du futur pour les JSA BMB ? Et j'ai la chance de connaître ce club depuis un certain nombre d'années. Je suis là toujours avec plaisir. Je suis un amoureux du basket. Là, le projet du club actuel me semble être de nature à être sur la bonne voie. Le souhait de la ville de Bordeaux, c'est aussi de consolider le monde sportif professionnel à Bordeaux avec différentes équipes que nous souhaitons accompagner. Évidemment, les JSA BMB en font partie. Nous sommes dans une saison un peu de transition. Voilà, je vous le disais aussi tout à l'heure, des blessures, un championnat un petit peu chaotique, mais il me semble que les bases solides sont là pour que l'objectif étant évidemment de toujours monter à un niveau supérieur. Je crois que les bases sont là pour que ça s'accomplisse. Oui, je pense que voilà, c'est sur comme nous expliquait Alexandre tout à l'heure. Je pense qu'on est, voilà, on est sur un projet peut-être sur 3 ans déjà pour lui, comme il nous disait. Et on a l'impression que voilà, ça va monter crescendo, mais ce projet sur la formation notamment est vraiment très intéressant. Pour finir, on va vous proposer un Fast and Curious version JSA BMB. Ok. Êtes-vous plutôt Kobe Bryant ou Michael Jordan ? Ah, question compliquée, évidemment, avec deux joueurs de cette nature. Évidemment, ça a été un plaisir de les voir jouer, mais globalement, moi, j'ai un petit faible pour, alors peut-être ce qui a bercé ma jeunesse, c'était la grande histoire des Lakers. Et donc, au-delà de ces deux joueurs, je dirais plutôt Magic Johnson. Magic Johnson. Plutôt défense ou attaque? Ce soir, avec la défense des JSA qui cantonne vent va à 36 points, j'aurais tendance à dire défense. D'accord, ouais. C'est vrai que nos JSA défendent très bien, hein, ce soir encore. Ce soir, à domicile, on fait des grosses performances défensives, j'avoue, 36 points encaissés, c'est pas énorme. Un pronostic pour le match de ce soir ? Victoire des JSA, évidemment. Évidemment. On y compte tous. Ah oui, non. Et puis les jeunes font plaisir ce soir encore. Exactement. Voilà, donc c'est vrai exactement. Que c'est, quand on regarde aujourd'hui les visages sur le terrain et sur le banc, c'est effectivement très jeune et ça fait très plaisir à voir. Ce que je disais avec Joe d'ailleurs au commentaire, c'est qu'on a l'impression de voir une équipe espoir ce soir. Donc voilà, c'est. Et ils sont en tête. C'est vrai, c'est vrai. Un dernier mot pour les Bordelais qui nous regardent ce soir. Un dernier mot, je dirais un dernier mot d'espoir. Nous espérons que la crise sanitaire va commencer à diminuer et nous l'espérons s'éteindre avec une vaccination en masse dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et le petit mot pour les Bordelais, c'est rendez-vous au début de l'été et pendant l'été pour que Bordeaux continue à respirer sport et que nous fassions tous une fête ensemble. Ben voilà, un mot d'encouragement, un mot d'espoir là pour terminer. On croise les doigts maintenant, on espère tous que ça va se sortir de cette situation rapidement parce que ça commence à faire très très long. Quoi. Et merci beaucoup Mathieu. Et en tout cas, merci de m'avoir invité. À très bientôt, voilà, au revoir. Merci beaucoup. Donc on va passer sur une page de publicité et puis on se retrouve d'ici 5 petites minutes pour la deuxième mi-temps. Allez les JSA, là on y croit. We'll be right back.
Live Hotel. Nouveau lieu de vie bordelais, face à la plage du lac, à quelques arrêts de tram ou coups de pédale du centre-ville. Qu'est-ce que c'est réellement? Un hôtel? Un restaurant? Un bar? Ok, mais soyons plus précis. Live Hotel, c'est un établissement design et cocooning centré sur l'échange et le partage, proposant des événements destinés aux hôtes, mais aussi aux professionnels et habitants du quartier, le tout animé par une équipe chaleureuse, passionnée et bienveillante. Alors, prêt à vivre la live expérience? Bienvenue dans votre communauté. Enjoy!
Live Hotel. Nouveau lieu de vie bordelais face à la plage du lac, à quelques arrêts de tram ou coups de pédale du centre-ville. Qu'est-ce que c'est réellement ? Un hôtel ? Un restaurant ? Un bar ? Ok, mais soyons plus précis. Live Hotel, c'est un établissement design et cocooning centré sur l'échange et le partage, proposant des événements destinés aux hôtes, mais aussi aux professionnels et habitants du quartier, le tout animé par une équipe chaleureuse, passionnée et bienveillante. Alors, prêt à vivre la live expérience ? Bienvenue dans votre communauté. Enjoy. On va pas avoir le temps pour les stats, hein. Non mais... Alors, on en profite pour vous rappeler notre concours avec le Village Vacances Français. Un séjour, un week-end pour deux, de 400 euros. Alors, c'est simple. Vous suivez le live, vous prenez un screenshot, vous le mettez sur Instagram, ou une photo sur votre écran, pardon. Vous le mettez sur Instagram, vous taguez Village Vacances Français, vous taguez les GSA BMB, et vous serez tiré au sort. Et vous serez nommé lors de l'interview des joueurs des GSA BMB à la fin du match. Un petit point sur les stats. Au scoring, nous avons Thomas Onoussen, 17 points avec 10 points marqués dans les 4 premières minutes du premier quart-temps. Gaëtan Longzième, Thibaut Longzième avec 10 points et Quentin Hanck à 7 points. Quentin Hanck, qui a laissé le jeu venir à lui. Bon, avec un pourcentage de 2 sur 8, mais voilà, il n'a pas trop forcé malgré tout. Quoi. Oui, il a surtout mis en place son équipe en grand patron. Ah oui. Alors Marc-Antoine Bourgo qui rate à 3 points. Rebond pour Thomas. Rebond, Thomas Van Ossem. On voit que c'est Madiba hein, qui redémarre à la place de Willan à cause des 3 potes. C'est Madiba qui a bien terminé. Allez Quentin. Et on va servir Thomas Van Ossem. Servez Thomas Van Ossem. Voilà. Joue-le, joue. Prise à 2, voilà, maintenant ça va transférer. Et Thibaut Longzième. Et voilà Thibaut. C'est bien là de servir Thomas dessous, ils ont peur de Thomas. Ils viennent le trapper derrière, ça libère un shoot. Ça libère un shooter. Et on va servir Raphaël. Allez Madiba, il faut se battre physiquement, il faut être un lion. Bien, bien la prise à deux avec Thomas, on le voit souvent ça, cette les prises à deux, c'est rotation en fait sur les joueurs. Et il faut plus de communication. Donc ce genre de prise à deux, il faut plus de communication et de rotation active. Mais on sent justement que les GSA BMB sont focus quand même parce que voilà, on est. Et les rotations se font bien quand même. Voilà, ben nouveau ballon gagné. Et ballon gagné. Antoine, voilà bien. Ah, quel dommage. C'est dommage, c'est pas payé. C'est tir en transition de Thibaut Longzième. Et Bourgo. Bourgo. C'est raté. Un sacré bon match. Ah, dommage. Un sacré début de match. Lui qui a 12 points. Faute offensive de Sébastien Virtus. Si je suis à Virtus. Oula, et puis on m'a dit je pense qu'il a pris de bonnes béquilles là. Ouais. Le Virtus de 2 mètres, très costaud. C'est l'expérience qui rentre, jeune homme. Ouais, mais bon, il a pas eu peur. Oh, pardon. Et Quentin Hanck qui met en place son équipe. Possession au bordelais. 45-36 au score. Allez, il faut trouver. Et Thibaut Longzième. Le duel face à Arnaud Desroses. Raphaël Desroses. Et Madiba, il faut prendre le petit tir à mi-distance. Madiba. Et Madiba. Magnifique. Et Ona, ce soir-là. Ça fait plaisir de voir les jeunes de la métropole de Bordeaux faire ce genre de match. Ouais, bah non, puis alors là, c'est gonflé, c'est culotté. C'est super bien joué. Et en plus, il défend derrière. Et Arnaud Desroses. Ah, c'est pas payé. Et le contre. Le contre de Thibaut. Allez, on continue. Allez, prends-le en transition, petit. Allez, Antoine. Aïe. Allez, on arrive là-bas. Possession. On se prend d'avance. Il faut qu'on continue comme ça, là. On se prend d'avance. Et c'est pas fini encore. Non, c'est pas fini, mais il faut continuer sur cette lancée là. Allez, il va falloir servir. Allez, Thomas. 4, 3,
Ouais, là, c'était trop dur. Il reste plus beaucoup de temps. Ouais, c'était trop dur. Et le ballon sera rendu avant. Possession difficile. Au bout de la possession, ouais. Et oui, Thomas Van Nistelrooy ne va pas subir l'impact physique tout le match, évidemment. Non, après, bah, c'est dommage qu'on arrive au bout de la possession. C'est ça qu'on voit souvent dans ce genre de situation où on est toujours un peu en difficulté. Quand on arrive aux 24 secondes là, sur la fin. Et c'est là où Alex Valaré nous manque. Oui, voilà, pour débloquer ce genre de situation. C'est vrai qu'Alex avait tendance à faire pas mal de fois des derniers temps. C'est très fort ça. C'est fort, mais c'est raté. Et Gilles Duro est la faute. Non, je pense que Cédric Bertorel refuse le panier. Alors. Il se concerte avec Mathieu Cognard. Alors du coup il n'y a pas faute parce que là sur l'action il n'y a pas faute. Donc, du coup si ils accordent. Faute. Du coup ils accordent, faute et lancé. Bon. Faute sifflée au numéro 33. Oh, les arbitres sont sévères là. Bon, et il y aura un supplémentaire pour Gilles Duro. L'action, elle est. C'est une action, comment dire, de no call. Le joueur est droit, et même s'il est en l'air, il est droit. Il ne redit pas le cylindre, il n'avance pas vers lui. L'arbitre au début refuse le panier et après l'accord. Donc c'est. Comme quoi lui-même était indécis sur la décision à prendre. Ouais. 47-39, il faut tenir le Bordelais, il faut tenir. Il faut s'accrocher là. Il y a un gros coup à faire ce soir. Et Thomas Van Nistelrooy. Oh là là, c'est pas raté. Il faut pas prendre ce genre de tir. Il faut trouver des meilleurs tirs. Ils ont été capables de trouver des meilleurs tirs. Allez. La bonne prise à deux. Ah là. Ah c'est raté. C'est raté le panier. Le panier tout fait. Rebond de Gilles Duro est raté. Et on savait que les Parisiens, l'équipe de Vamp, pardon, allait augmenter l'intensité physique. Ah, ils ont durci là, ils ont durci. Ils ont durci, tir à 3 points pour Gabzi. Anis Gabzi. Et oui, encore un rebond. Attends, c'est faute. Ça va, c'est Thomas Van Nistelrooy. Première pour Thomas. Dommage parce que finalement on avait bien défendu sur cette action. On a eu. Oui. Mais on a laissé plusieurs possibilités, plusieurs chances, plusieurs rebonds offensifs au stade de Vaughan. Vaughan va chercher le rebond. Vaughan va jouer l'impact physique. Ce que les Bordelais ont fait avant en première mi-temps, ils leur rendent. 47-39. C'est ça le problème, c'est qu'on a peur qu'il manque peut-être un peu d'intensité, pas à cause de la fatigue, oui. À force. Et il y aura deux lancers francs pour Sébastien Vertus. Je il crois a mis le premier. Il a mis le premier, ouais, tout à fait. Une deuxième aussi. Et bon, qui revient à 6 points. Non, comme petit 5-0. Un petit 5-0 là, qui leur permet de revenir à 6 unités de GSA BMB. C'est vrai. Et Quentin. Oh, Quentin. Quatre bagues à Quentin. La chance. Oh, le bras du Schnorr. Quentin. Quentin Hank. Ouh. Encore Madiba qui va subir l'impact. Et cette Vertus est la faute de Quentin Hank. Eh oui. L'arbitre a vu le geste de dos. Il ne peut pas savoir s'il y a contact ou pas. Donc il faut lever les bras, Quentin, il faut pas faire ce genre de geste. Ça va donner de l'un, c'est franc. Surtout que Seb Vertus a été maladroit sous le panier lorsqu'il a été gêné. Oui, 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 non, mais c'est... Voilà. On prend déjà trois fautes d'équipe. Faut qu'on fasse attention déjà, oui. Les fautes personnelles, les fautes d'équipe. Ah oui, c'est la deuxième faute personnelle de Quentin Hank. Ouais, c'est la deuxième faute personnelle de Quentin Hank. Bon, on les a à peu près bien gérés pour l'instant, mais c'est vrai que... Faut qu'on fasse très attention à ça, parce que dernier carton pourrait être très compliqué à cause justement de ce problème de faute. Bon, toujours est-il que 7 points d'avance maintenant pour nos GSA BMB, que Vertus a mis les deux lancers. Allez Thomas. Thomas Van Nistelrooy, le hook shot. Dommage, c'est dommage. Il faut les mettre ce genre de panier parce que... Oh Madiba, la deuxième faute pour Madiba. Les arbitres sont durs avec les jeunes parce que le gamin fait l'effort de défendre, de remettre ses appuis, de se remettre droit, de ne même pas chercher à jouer le passage en force. Et l'arbitre s'y faute alors que c'est Gilles Duro qui avait perdu le contact face au jeune Madiba Ouana. Je trouve les arbitres durs avec les jeunes. Les arbitres sont très sévères avec les jeunes mais j'ai l'impression que c'est quand même une... C'est souvent qu'on sent que quand même on s'y fait dur contre les jeunes. Comme c'était plus simple de cibler contre eux en fait. Maintenant, sans doute qu'il y avait faute de Madiba, hein, je dis pas l'inverse, mais peut-être c'est un peu rapide. Et la bonne rotation de Madiba.
Et les bordelais qu'on puisse retrouver. Et Bourgo. Et il y aura faute en bas, il y aura deux lancers. Et faute de Madiba. Allez, on savait qu'ils allaient monter dans l'impact physique. Il faut résister. Oh non, mais là, attends. Ouais. Ah oui, et Madiba Owona qui vient de prendre sa troisième faute personnelle. Et je pense qu'il va être remplacé par Kevin Mbaïtouba. Ouais, on disait que ça pouvait être un vrai problème, hein, les fautes. Oui. Bah là, pour l'instant, il n'y a pas le moindre doute. Peut-être un changement défensif, on va voir ce que les Bordelais vont proposer. Donc Kevin qui revient, mais Kevin a déjà deux fautes. Hein. Oui. Kevin a déjà deux fautes aussi, hein, donc ça peut aller très vite aussi. Il va falloir gérer ces situations. Donc le Montango qui met le premier lancer. Eh oui. Et on sait ce qu'il est capable de faire, on sait qu'il est capable de, ouais, de prendre gauche, feu très vite. La petite patte gauche, c'est propre. 50-44. Ouais, qui revient à 6 points. Ça va commencer à devenir peut-être un peu plus dur là. Il rentre le deuxième. Regardez, encore Vauvre. Oh, bien Quentin, c'est pas Vauvre. Allez, il va falloir trouver Thomas Van Oussem près du cercle. Et la faute. Et deux lancers francs. Faute de Gabzi sur Thibaut Landier. Et Anis Gabzi, combien de fautes il a? Ah non, elle a été donnée à Pingo cette faute. Et c'est pas à Gabzi qui est venu aider et qui l'a fait, c'est. Qui prend sa première faute personnelle. Deux fautes d'équipe. Et pendant que les Bordelais, eux, sont déjà dans la pénalité. Ouais, ça c'est ce qu'on avait dit. Hein. On est rentré très vite dans la pénalité, là, au bout de 5 minutes. Donc c'est. Ça peut être compliqué, ça. D'envoyer les joueurs tout le temps au lancer franc. Et puis là, surtout, on n'a pas assez de rotation pour pouvoir se permettre d'avoir des joueurs qui sortent pour 5 fautes. Donc toujours dit qu'on reprend 8 points d'avance grâce aux deux lancers francs de Thibaut. Et que là, il va falloir durcir. Mais en faisant attention de ne pas trop prendre de fautes. Surtout défendre intelligemment, les emmener dans des zones d'inconfort. Voilà, peut-être, voilà. Là, la rotation est bien faite quand même. Rotation. Là, Gabzi. Ouais, c'est pas juste facile ça. Et derrière le rebond. Divertis. Et Quentin qui est au rebond encore. Quentin qui a récupéré deux rebonds défensifs énormes. Allez Kevin, allez, va écraser ça. Kevin Mbete, ligne de fond. Qu'est-ce que c'est fort. C'est énorme Kevin. En transition. Et oui, il fait parler ses qualités athlétiques, le jeune Kevin Mbaitouam. Alors Kevin, hein, aucun doute, bien sûr, c'est son meilleur scoring en National 1. Oui. Voilà, il avait déjà marqué 2 points la dernière fois. Mais là, c'est son meilleur scoring en National 1, c'est évident. Puis surtout, mais quelle confiance là. Sur ces deux drives, ligne de fond là. Le gros dingue de tout à l'heure, le N1 maintenant, il met son lancer franc. Il a 7 points. 7 points pour Kevin. C'est un joueur qui a du talent. Oui, c'est un joueur qui a du talent. Mais là, cette chance qu'il a là maintenant. C'est un joueur qui, malheureusement, avec sa génération, à chaque fois a tout loupé. Pas pu jouer en mini-méli. Il y avait la génération Ayaï, Gérald. Il a même connu, je crois qu'il a joué avec Joël. Il était en minime région, il n'a pas pu jouer en U18 France parce que ça avait changé. Et Kevin. Ah Kevin, Kevin qui va faire parler son physique, qui va faire parler ses qualités athlétiques. On avait encore récupéré. On va revoir d'ailleurs au ralenti le N1 de Kevin alors qu'il y a un temps mort demandé par Mathieu. Donc on va revoir là déjà le rebond. Et puis voilà, le transfert de Thibaut. Et magnifique touché de Kevin avec la faute. Avec le premier pas. Donc attendant, on se fait en avance. On reprend, on se fait en avance. Oui. Avec de nouveau des bonnes. Une grosse défense. Et surtout Kevin qui n'a pas peur d'aller mettre de l'impact physique. C'est ça. Et on fallait trouver des paniers près de ça. Avec Kevin qui est omniprésent là. Voilà, c'est 14 minutes de jeu lui. C'est bien. Voilà, c'est bien. On savait qu'il allait avoir du temps de jeu aujourd'hui. Et là, il saute sur l'occasion pour saisir sa chance et montrer des choses très positives sur du tir de loin, sur des drives, ses qualités athlétiques, comme tu disais. Et peut-être que on sait que Gaëtan et Jeff vont venir dans une ou deux semaines.
plus ou moins. Bah, on peut dire que avec ce que Madiba et Kevin ont apporté, et même Willem qui est capable, ça peut-être compléter l'effectif, sachant que Willis Mackie aussi va peut-être arriver et terminer la saison. On ne sait pas quel sera, qu'est-ce que va proposer la fédération en termes de saison, en termes de fin de saison. Mais voilà, ça va permettre de poser des bases. Ouais, attention, tout le monde va sortir grandi de cette période. Hein. Voilà, oui. Où on a eu des blessures et les jeunes vont en sortir regonflés à bloc. Allez, deux secondes. Allez, Thibaut. Ah, dommage. Oh là là, dommage. La bonne lecture d'Antoine Léonard pour Thibaut Lonzième. Dommage, c'était en fin de possession. Ils n'avaient pas beaucoup de temps à shooter, pour shooter. Antoine qui fait un travail de l'ombre. Voilà, exceptionnel ce soir avec 9 d'évaluation. Hein. À force de faire du travail de l'ombre exceptionnel, en fait, c'est son boulot. C'est son boulot. Il fait son job. Il n'a pris que 2 tirs ce soir. Allez, Kevin. Kevin qui focus totalement en défense là. Et ballon gagné, encore une bonne occasion des Bordelais. C'est pas la première interception de Thibaut celle-là. Hein. C'est la cinquième. C'est la cinquième interception de Thibaut Lonzième. Est-ce qu'il va nous faire un match à la TG McConnell? Et Thibaut Lonzième, allez. Ah oui. Qui fait très mal. Effectivement, TG McConnell. Dans le duel, pour l'instant, Lonzième des Roses, c'est Lonzième qui gagne. Ah oui, Lonzième est devant. Effectivement, comme j'ai dit, il est peut-être parti pour un match à la TG McConnell qui a eu ce triple double incroyable face à Cleveland là. Il y a quelques jours avec 10 interceptions. On sait qu'il est capable de grosses stats. Avec Clément Pingo. Ouais, c'est bien joué. Touché, joli touché de Clément Pingo. Et les Bordelais sont à plus 12. 7 points pour Clément Pingo là pour l'instant. Et quant à Hank qui va trouver Thomas à 3 points. Et ce tir qui fait mal et qui permet aux Bordelais d'être à plus 15. Et Thomas qui redébloque son compteur parce qu'il était bloqué à 17 depuis un petit moment. Et regardez la nonchalance avec laquelle Vanv remonte la balle. Sont-ils en train d'abdiquer? Ah, peut-être pas crier trop vite là parce qu'il reste encore beaucoup de temps quand même. Et ce tir. Voilà, on le tire. Oh le tir, on l'a pas vu hier, ce tir de Thomas Brégion. De Thomas Brégion. 61-49. On va servir Quentin. Hein. Et Thibaut. Thibaut Lonzième à mi-distance. Oh, c'est dommage. Pas payé. Vamp dans la relance. Et ballon récupéré par les Bordelais. Allez, Antoine, une belle interception pour Antoine. Ça fait beaucoup d'interceptions aujourd'hui. Hein. Troisième pour Antoine. Ah, Antoine, c'est très il est parti là, Antoine. Oh, le ballon. C'est une move. Non, et Hime, il va le lancer. Et il va le lancer. Oui. Tu sais pas de comment j'affectionne ce move, le spin move. C'est un move que je trouve très joli, très intéressant. Regarde, et ça fait plaisir de voir Antoine Léonard faire ce genre d'action. Ouais, il est allé vite là, ça y est, là, il a pris. Mais Antoine, on voit Antoine qui n'hésite plus à attaquer le cercle comme on l'a vu sur les derniers matchs. Il est là, il a envie de montrer lui aussi. Défensivement, c'est très costaud, il veut montrer aussi en attaque. Ouais, qui met le premier lancer franc. Cinq interceptions quand même pour Thibaut. 5. Et deuxième lancé. Et les Bordelais dans la rotation. Et oui, qui oblige Vanv, qui fait hésiter Vanv. Et Gilles Duro vers à 3 points. C'est raté. Ça va. Et la faute. Et ben oui. Et peut-être même de lancer franc. La faute de Sébastien Virtus qui avait les mains qui traînaient. Sauf que il a été attrapé par la patrouille. L'arbitre a peut-être un peu été sévère sur cette action. C'est ce genre d'action, on laisse jouer. Moi j'aime bien qu'on laisse jouer. Nous on aime bien avoir du jeu en fait. Donc quand ça s'est joué trop vite, c'est toujours un peu frustrant parce que voilà, on va voir. Il y aura deux lancers francs pour Thomas. Je pense que c'est assez d'accord. Tu peux dire, tout à l'heure on disait qu'il y avait des décisions sévères peut-être contre les Bordelais. Tu peux le dire aussi quand c'est dans le sens inverse. Ouais. Et effectivement, celle-là me paraît aussi un peu sévère. Mais bon, ça nous arrange avec deux lancers pour Thomas. Ouais. Et Arnaud Desroses qui va faire son retour sur le terrain beaucoup plus tôt que prévu. Au vu du score. Raphaël Desroses qui pour l'instant, on va dire, entre guillemets, reste bloqué à 7 points. Quoi. Oui, Raphaël Desroses, pardon. Et qui reste bloqué à 7 points, mais surtout là, qui vient de rassembler son équipe et pour les obliger à se remobiliser.
Thomas Van Hossem. Premier lancer raté. On est à 0 sur 3 là. Sur les 3 derniers lancers. Alors 1 sur 3, pardon. Puisque Antoine Léonard avait mis le premier lancer. Et 1 sur 2 pour. Allez, on a encore ces 2 points d'avant. Il faut les tenir ces 2 points avant la fin du 3ème carton. Il y a 6 minutes, les deux équipes sont à la pénalité. Gilles Duro et Raphaël Derose. Eh oui. Ouais, mais c'est raté. C'est pas payé. Clément Pingo qui est encore là. Et qui va marquer. Il a la balle gauche. Oh, okay. Oui, mais il est très bon, Clément Pingo. Il est déjà à 9 points, Clément Pingo. Attention, c'est un joueur aussi qui est capable de mettre des points en fin de match. Là, en plus, il évolue sur un poste qui n'est pas le sien. Il peut jouer ailier et là, ce soir, il joue poste 4. Mais c'est un joueur qui est considéré comme étant le meilleur 6ème homme. Et Quentin qui prend son rebond. Incroyable rebond offensif de Quentin. Thibaut, il est passé. Oh Thibaut, magnifique Thibaut. Quel match aussi de Thibaut Longzième ce soir qui est déjà grand match de Thibaut Longzième. Très grand match de Thibaut Longzième. Il restera une possession pour Vence. On ne laissera jamais dire que Thibaut a retrouvé un super niveau après sa grave blessure l'année dernière avec Angers. Oui, clairement. 8 secondes à jouer. On va servir Raphaël Derose. Ouais, mais quelle prise à deux énorme. Ah non, marché. On a 3 secondes. L'important, c'est 3 secondes aussi à rentabiliser peut-être. On sait que les Bordelais, on se rappelle de ce tir en fin de possession marqué par Quentin. Allez, mais c'est Quentin justement. Oh, mais il est passé Quentin. Oh, non. Qu'est-ce que fait Thomas Van Hossem? À cause de lui, le tir a été annulé. Quelle erreur. Oh, quel dommage. Erreur de jeunesse. Oh là, quel dommage. C'est pas grave, il faut se rester. Allez, 14 points d'avance. Allez, c'est très bien, les gars. Les Bordelais sont en plus 14. Plus 14. 51. Plus 14, Johan. De très bonnes choses défensivement, dans la deuxième partie notamment. Ils ont vite été embêtés par les fautes. Et puis ils se sont remobilisés dans les rotations, le N1 de Kevin Mbaye-Toumam, les rebonds gagnés, les ballons gagnés de Thibaut Longzième qui permettent aux Bordelais d'être devant. Bah, va, on veut qu'on recolle un peu là, 5-6 points. Et puis nous on s'est pas affolés. Et on s'est remis à défendre intelligemment comme tu disais. Et voilà, on a récupéré des ballons. Il y a 5 interceptions pour Thibaut Longzième, 3 pour Antoine. 14 points d'écart, mais c'est incroyable. Oui. Il faut les tenir maintenant, il faut les tenir. On est peut-être encore en train de réaliser un exploit. Et il y a 2 hommes, pour l'instant, 3 même, avec Anis Gabzi. On sait que c'est un joueur qui est capable de tuer les matchs en fin de match, qui met de gros tirs. Et surtout, Raphaël Derose, c'est le joueur dont il va faire. Il est bloqué à 7 points, mais on sait que ça peut vite changer. Oui, il peut prendre feu très vite, donc c'est là en fait l'inquiétude peut être là. On se rappelle que lorsque le Bordelais qui avait mal débuté avant était revenu au score, c'est lui qui avait fait. C'est lui qui avait pris l'ascendant. C'est lui qui avait mis de l'intensité. C'est lui qui avait mis les paniers. D'ailleurs, on voit, il a joué l'expérience. Là, il va discuter un peu avec l'arbitre. Quentin à la main, et Quentin qui fait le job qu'il faisait quand il était en espoir à Gravelines et quand il jouait à Toulouse. Et Antoine. Et le drive. Oui. Quentin. Oh, c'est ouvert. Bien joué ça. Bien joué ça. C'est pas payé, dommage. Cette action à la Spurs. C'est magnifique. L'extra passe de Kevin. Voilà, c'est dire la confiance qu'ils ont. Kevin et Antoine Léonard, ils ont joué ensemble en junior, donc ils se connaissent bien. Oh, c'est tir de Quentin. Oh, le tir. Et le rebond. Le rebond autoritaire d'Anis Gabzi. Le tir complètement contesté de Quentin. C'est dur à prendre. Allez, il faut être dur, petit. On appelle Jérôme sur le panier. Oh, le coup de Kevin Mbappé. Non, c'est Mayaouz. Non, non, non. Comme son homologue congolais, Dikembe Mutombo. Kevin Mbaye-Toumam. Quel match ce soir, du jeune Bordelais. 20 ans seulement. 20 ans. Attends, et puis il est quand même son nationalité qui est très, très faible.
Voilà, donc. Mais quand même, ils s'entraînent avec l'équipe première. Et rebond, Combien de rebonds a-t-il pris ce soir, Quentin? Je me pose la question parce que je viens de le voir encore prendre un énième rebond. Quentin Hanck qui a 6 rebonds pour l'instant du début du match. Et Gabzi qui fait parler son physique face à Antoine Léona. Et encore le ballon gagné de Thibaut Lorzien. Sixième intercession. Mais ça, c'est des stats incroyables, mine de rien. Les joueurs qui nous sortent des stats tous les week-ends, c'est complètement improbable. Des stats de NBA, tout simplement. Il faut le servir. Il faut servir le monstre. Ouh, regardez Kevin qui est ouvert tout seul. Ouh là 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 là. La petite passe pour Kevin dans le dos. Il avait vu qu'il a un tout petit peu trop tard. 7 rebonds pour Quentin, pardon. Donc il y a 10 points, 7 rebonds et 7 passes pour Quentin. On n'est pas loin du triple-double pour Quentin. On a des bases, on est sur des bases. Il les aura certainement pas, mais voilà, on est sur des bonnes bases. Sur des bases. Et 10 points, 7 rebonds, 7 passes. On voit, la semaine dernière, face au Sabellone, il a fini à 38 points. Il n'y a pas longtemps, 17 points. Quelle saison de Quentin Hanck. Exceptionnelle saison de Quentin Hanck. Et comme tous nos Bordelais qui sont admirables, admirables, malgré les conditions difficiles. Oui. Thomas, le but de Thomas Morrison qui va écraser ça dans la peinture. On est sûr des actions court-cut ce soir. Oui, il y a la sacrée de but. Et la défense dure de Kevin Mbappé. Quelle défense, et ballon gagné encore. Aïe aïe aïe, Brégé ouvert à 3 points. Pour calmer les ardeurs un petit peu. Calme tout le monde là. Et oui, même s'il n'y a personne dans la salle, il refroidit le contexte. Ça permet avant de rester à 13 points. C'est pas fini encore. 7 minutes 30. Van venait encore dans la partie. Oui, il faut réussir à tenir là avant les 5 dernières minutes, c'était cas. Oh là, Thibaut Lopier. C'est tir de Thibaut Lopier. Très longue distance. Elle est pour nous. Ah non. Oh. Ah mais non. Kevin Mbété qui pensait que la balle était au bordelais. Ah, peut-être qu'elle est peut-être le bordelais, peut-être que l'arbitre. En tout cas, de là où on est nous, c'est difficile. De là où on est nous, elle semblerait pour les bordelais. Région qui est partie. Ah, c'est bien joué. Et bien joué, ça. Attention, ça revient en soi. Et il y aura Thomas de la part demandé par le coach. Ouais, Mathieu qui demande Thomas à juste titre. Ah non, il y a un joueur qui s'est blessé là-bas. C'est Région qui s'est blessé. Ah. Oui, je pense en allant en lay-up, il a dû glisser. Mais Thomas demandait. Il y a quelqu'un demandé par Mathieu Bert. Et pour remettre un peu d'ordre aussi, il y a eu un peu d'euphorie. Voilà, le dunk, le tir, et il faut pas s'oublier défensivement. Ouais, on vient de prendre la 5-0 là. Donc. Et on va revoir cette action de Thomas Van Oussem qui allait écraser. Avec le cœur, la bonne passe de Thibaut Lonzième. Thibaut qui a des stats ultra complètes. Hein. Oui, qui a un joueur complet. Oui, et puis il a des chiffres vraiment ce soir. C'est gros 19 points, 3 rebonds, 5 passes décisives, 6 interceptions, mais c'est incroyable. Incroyable stat de Thibaut ce soir. Alors que Thomas Brégion a l'air d'aller mieux, hein, donc plus de peur que de mal pour Thomas Brégion qui, à première vue, s'est pris les pieds dans les tapis derrière. Oui. En allant, souvent quand les joueurs vont tirer avec le contact, ils sont pas projetés, c'est normal. Et là, il s'est avéré qu'il y avait le tapis vers lui. 7 minutes à jouer, les Bordelais sont en plus 11. Et oui, je l'ai dit, Vanves ne va pas abdiquer aussi facilement. Et Thibaut Lonzième, bien sûr. Et Thomas. Le contre. Clément Pingon, non? Ouais. Et
y a un mismatch à jouer. Ouais, et ils l'ont pas vu. Ils l'ont mais Antoine, Antoine, il veut pas lâcher. Raphaël Desroses. Et ça, ils ont besoin de relance, ils ont besoin de relance. Et le rebond pour Thibaut. Quentin pour Kevin. Quentin, on a vraiment fait croire que Kevin aurait pu prendre sa chance. Mais là, c'est bien de faire tourner un peu là. Après, on sait que. Kevin sait quel est le joueur le plus adroit. Kevin encore. Dommage. Et là, le. Bourgo a été malin parce qu'il a laissé Kevin drive D. Et le nouveau rebond pour Thibaut. Ouais, Thibaut, un peu des deux côtés, ça va un peu vite, je pense qu'il faut calmer les ardeurs. Ouais, Thibaut, là, qui est sur des bases incroyables de triple double aussi. Hein. Et c'est ce que Quentin décide de faire, mettre en place son équipe pour jouer un peu plus longtemps. Antoine pour Kevin. Kevin qui passe. Oh, Kevin. Oui, deux points de Kevin, voilà. Quel match. Oh là là, Kevin, magnifique. Kevin, Mbaye Toubab. Antoine Léonard pour Kevin Mbaye Toubab. Je veux discuter avec les jeunes. Antoine Léonard et Kevin Mbaye Toubab. T'es pas d'accord, Pat? Ah, totalement d'accord. Kevin, servi par Antoine. Oui. C'est beau. De voir ça. Brigio à 3 points, c'est raté. Et le rebond. Et nouveau rebond pour Antoine. Ouf, oh, le contact avec Clément Pango. Antoine. Il s'est donné ce soir, hein. Vraiment impressionnant. Quel match aussi d'Antoine. Ah mais c'est hallucinant ce match, j'ai pensé qu'il nous fait. Allez, 5 minutes encore à jouer, on a 13 points d'avance. On les a conservés ces 13 points dont je parlais tout à l'heure. Maintenant là, il faut qu'on arrive à... Il faut que le chrono tourne. On est en train de faire un exploit exceptionnel pour l'instant. Thomas, et la faute. Thomas. Danis Gabzi. De l'ancien venir pour Thomas. Thomas Van Oussen, il a de l'énergie. Hein, parce qu'il n'est pas sorti une seule minute. Ça fait peut-être 5 matchs qu'il joue plus de 35 minutes. Il arrive toujours à fournir. Que ça soit d'un côté ou d'un autre. C'est impressionnant de voir cette capacité-là à évoluer. Ça me fait penser à Mathieu Boyer à l'époque qui évoluait très très vite. C'est exactement ça. Ah, mais c'est la comparaison est parfaite. C'est exactement ça et on se retrouve avec un Thomas quasiment à 25 points aujourd'hui. Oui. Et Thomas Van Oussem. 2 sur 2 en ce franc. Et qui permet au Bordelais d'être à plus 15. Ouais, 25 points pour tout. Et les Bordelais vont pouvoir souffler 2-3 minutes s'ils contiennent le score. 2-3 minutes. Dans les 3 prochaines minutes, s'ils maintiennent le score, c'est peut-être le chemin vers la victoire. Et il faut pas laisser shooter Marc-Antoine Bourgo. Oh là là, Kevin! Dommage, je n'ai pas payé pour le jeune et Kevin. On n'a pas trop parlé des chiffres d'Antoine, mais Antoine, c'est 4 points, 6 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions. Il noircit la feuille de stats. Et oui, quel boulot! 11 d'évaluation. De la part d'Antoine. Bourgo, ouvert à 3 points. C'est pas payé. Oh, ça n'a pas de sens parce que s'il mettait ce tir, ça permet à Manque de revenir. Bon, excuse-moi, Johan, on est arrivé aussi maintenant à 4 minutes de la fin. Peut-être vouloir gérer le point à verrage aussi. Oui. Parce qu'on avait perdu 90 donc à l'aller. Et là, il y a 4 points d'avance donc peut-être essayer de tenir ce point à verrage aussi. Et la extra passe. Oh, quel dommage. Pas payé. C'est un très bon tir. Ce jeu collectif est magnifique. Et encore une interception. 7ème interception pour Thibaut Lanzième. Encore une interception. Vous croyez ça, cette interception? C'est tellement rare ça en National 1, c'est déjà arrivé? Je crois pas. Je crois pas, on demandera à Mike Hervé. On va demander à Mike Hervé. Cette style. Impressionnant Thibaut. Le débrief de Premier Média va être très intéressant. Allez, Thomas,
Thomas Ketak. Oh, bien joué ça. Et qui va avec la faute. De la salle pour Thomas. Dur, il faut marquer avec. Oh, ça commence à sortir très très bon là. Ça commence à sortir très très bon. Il reste 3 minutes 50 et 20 avait déjà dans la pénalité. Ils n'ont plus marqué depuis un moment aussi. Ça fait un moment qu'ils sont restés à 56 points. Depuis le tir à 3 points de Brégion. De Thomas Brégion. Et Thomas Van Ossem qui est à droite, c'est vrai que ce garçon, en plus d'évoluer près du cercle, est un joueur d'abord de base qui est ce qu'on appelle un 4 fuyant, donc capable de tirer et qui est très à droite. Et deuxième lancé loupé. 72-56. 26 points pour Thomas, quelle performance aussi. Peut-être aller chercher les 3 pas. Oui. Allez, si on laisse Raphaël de re-shooter. Raphaël Derose en fait jouer, c'est raté. Cool. Raphaël Derose commence à être fatigué. Quand même match quand même assez moyen de Raphaël Derose. Et regardez Quentin qui gère le tempo. On sait que Bordeaux aime courir, mais là, ils ont besoin de jouer longtemps. Ils ont besoin de travailler. Kevin, oulala. Il s'en sort bien. Et encore pour Thibaut, petit shoot. C'est pas payé, et Thibaut qui commence à être court au tir. Ouais, mais c'est normal. La huitième, allez. Non, et bien, ça sera la quatrième pour Antoine. Allez. Le dunk. C'est ça, Thomas. Peut-être que les Bordelais sont en train de sceller le sort de Vence. Quatrième intercession pour Antoine Léonard et une autre passe décisive aussi. 74-56. Peut-être que Bordeaux vient de sceller le sort devant. Est-ce qu'on peut compter cette interception-là contre la 8ème d'intercession de Thibaut Lonzième? C'est dire à 3 points qui est rentré. Je viens de recevoir un message de Namori Bundi qui vient de me dire qu'il avait déjà réalisé 8 interceptions avec Boulogne-sur-Mer il y a 3 ans. Ah. Donc, c'est déjà arrivé. Ça a déjà été vu. Et effectivement, maintenant, je me souviens de cette rencontre où Namori avait fait 8 interceptions. C'est vrai. Namori Bundi, oui. Kevin, bon, Kevin, dommage Kevin. Ça sort bien. Dommage. Dommage pour Kevin. Kevin Bayitouban vient de rajouter une plus-value. Ah, et Thomas arbitre, je pense demander de la part de Thomas Brégion. Il reste 2 minutes 6, plus 15 pour les Bordelais. Il faut maintenir le cap. Il faut maintenir au moins 9 points. Au moins 9 points. Jouer longtemps les attaques. Ne pas laisser Vence de prendre des tirs ouverts trop tôt. Sachant qu'on sait que... Ah, c'est bien joué, ballon perdu. Oh là là, Vence n'y est plus. Il n'y est plus du tout. Et 2 minutes à jouer maintenant, là. Ça commence à sortir très 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 bon. C'est ça. On est quelle performance de nos Bordelais. Collective. De la part des jeunes, de Antoine Léonard, de Kevin Baitoubam, de Madiba Ouna. Madiba Ouna qui a fait une belle rentrée aussi. Oui. Le jeune Madiba Ouna qui a été très bon. On est un peu déçu pour Willan. Voilà. Qui avait débuté, qui a joué que 3 minutes, qui a fait 3 fautes. C'est dommage. C'est l'expérience, c'est le métier. Mais voilà, c'est comme on dit, il a tout le temps d'apprendre, de toute façon. Oh, le bon écran. Et 3 secondes. Ouais, 3 secondes oui, c'était sûr. C'était sûr qu'il y avait à avoir 3 secondes pour Thomas Van Ossem. Et on voit l'arbitre qui dit à Thomas de se calmer. On sait que je pense que Thomas va marquer son 30e point. À 28, j'avoue que là, un dernier petit panier, là, ça serait... À 30, ça serait beau. Hein. Surtout, il faut défendre, là, pour l'instant. Donc, Antoine Léonard qui a 4 interceptions aussi, hein, depuis le début de la partie. C'est quand même impressionnant, là. Le nombre d'interceptions dans ce match. C'est des Bordelais, c'est un chiffre assez impressionnant, effectivement. Anis Gabzi. Tu fais parler son physique. Ouais, Antoine a pris une petite. Voilà. C'est fait un peu secouer, mais ouf, c'est pas ça qui va l'arrêter. Hein. Il y aura deux lancers francs pour Anis Gabzi.
Il restera une minute 26 à jouer. Et oui, vous l'avez compris, je pense que le sort de Vanves est scellé. Maintenant, il va falloir que Bordeaux maintienne le cap, puisqu'ils avaient perdu de 8 points à l'aller. Oui, non, clairement, là, je pense que les 14 points ne seront pas rattrapés. Mais après, maintenant, voilà, comme tu dis, il faut tenir l'écart, là, pour garder le point à verrage. Et le jeune Tamsin Djerdjian qui va faire son entrée sur le terrain. Ouais, ouais, ben, il lui donne 1 minute 20 de jeu pour terminer la rencontre. C'est un peu le garbage time maintenant. Allez, Antoine avec Quentin. Et Quentin, qu'est-ce qu'il décide de faire? Oh là, Quentin là, qui est parti. Bien joué, Quentin. Qu'est-ce que c'est fort. Magnifique, Quentin. C'est fort de la part de Quentin. Doucement, mon Quentin qui a pas été très adroit ce soir. C'était très bien. On fait 3 points, on s'est raté. Et on Kevin. C'est ça, Kevin, c'est bien. Oui, les Bordelais qui ont géré ce match de main de maître. Incroyable performance de nos Bordelais, vous pouvez le dire maintenant, 45 secondes. C'est un exploit qu'ont réalisé nos jeunes joueurs. Encore une fois, ils n'ont fini plus de nous surprendre. Est-ce qu'il faut être surpris même maintenant? Surtout, je sais même plus. Surtout qu'on n'a pas forcément eu un gros Quentin Hanck au scoring. Ben non, non, 12 points pour Quentin avec un petit pourcentage. Comme quoi finalement, voilà, c'est le collectif a fait la différence, en défense notamment. Important dans la gestion, dans la mise en confiance. Qui a été important dans la gestion, dans la mise en confiance de ses coéquipiers, dans la gestion de l'équipe, dans le leadership. Et oui, il a apporté quelque chose d'autre. Florian Lebon qui va rentrer. Oui, Florian Lebon, formé au GSA. Et Madiba, Boulazac et Ilan pour les 24 dernières secondes. Et je pense qu'on va évoluer avec les trois jeunes. Et Kevin qui sort après une superbe performance. Oui. Bravo monsieur Kevin et tout de même. Superbe performance. Et puis nos guerriers, nos ceux qui sont Thibaut, Quentin, bravo les gars. Oui. C'est magnifique ce que vous avez fait ce soir. C'est très 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 fort. C'est très fort, c'est très très fort. Donc on a 3 points, c'est raté. Un rebond. Allez, rebond pour Thomas. Madiba. À 3 points. À 3 points. Pour terminer en beauté. Ah quel dommage. Et Thomas. Il reste 7 secondes. 7 secondes, peut-être pour essayer de donner un petit shoot à Florian Lebon. Oui, oui. Peut-être de terminer la soirée en beauté. Franchement, je vais vous dire la vérité. Avant ce match, je me disais, mais comment ils vont faire pour gagner ce match? Florian Lebon pour Madiba. Celui-là, c'est dedans. Oh, dommage. C'est dommage. Et le match est terminé. Bravo, bravo, messieurs, les Bordelais. Bravo, Bordelais, bravo à l'équipe de Vanves. Voilà, on sait que l'équipe de Vanves est aussi à des joueurs absents. Voilà, mais bravo aux Bordelais qui ont joué avec en vrai 3 réels, 4 réels pros, puisque Antoine Léonard fait partie de l'effectif depuis le début de saison. Et des jeunes. Aujourd'hui, je pense que Kevin Mbaye-Toubam a gagné sa place. Madiba a des choses encore à montrer. Willem, c'est dommage. Il n'a pas pu s'exprimer car embêté par les fautes. Et on a vu encore du très très grand Thibaut Longième. Quentin Hanck, moins scoreur, mais très fort dans la gestion. On va revenir là-dessus, on va discuter avec eux. On vous rappelle, si vous n'avez pas eu le temps de le faire, si vous venez d'arriver, le challenge Village Vacances Français. Petit rappel, regardez le match, trouvez le logo concours Village Vacances Français. Prenez une capture d'écran, une photo. Et avec le match et le logo du concours, partagez en story Instagram et identifiez les comptes Village Vacances Français GSA BMB. On se retrouve tout à l'heure pour les interviews des jeunes joueurs bordelais. Hôtel. Nouveau lieu de vie bordelais face à la plage du lac, à quelques arrêts de tram ou coups de pédale du centre-ville. Qu'est-ce que c'est réellement? Un hôtel? Un restaurant? Un bar? Ok, mais soyons plus précis. Live Hotel, c'est un établissement design et cocooning centré sur l'échange et le partage, proposant des événements destinés aux hôtes, mais aussi aux professionnels et habitants du quartier, le tout animé par une équipe chaleureuse, passionnée et bienveillante. Alors, prêt à vivre la live expérience? Bienvenue dans votre communauté.
Enjoy. I'm feeling like I'm crawling in my skin and-
Bon, ben, on se retrouve avec Antoine qui va devenir un amitié, ça y est. Hein. Encore. Voilà, encore. Ben, écoute, je sais pas ce que t'en penses, mais performance exceptionnelle encore une fois de l'équipe. Ouais, c'est ça fait vraiment hyper plaisir. Que dire de plus Grosse performance collective. Les jeunes ont beaucoup apporté. Je pense notamment à Kevin, Madiba et Willan. Willan. Ouais. Donc voilà, faut aussi penser à eux. Je m'entends en écho, c'est insupportable. C'est normal malheureusement avec ta calme. Ouais, faut aussi penser à eux parce qu'on a eu besoin de tout le monde ce soir. Et voilà, sans eux, on n'aurait pas. Putain, j'arrive pas, je te jure, j'arrive pas. Sinon, on n'aurait pas pu réussir à. Hop. Ah, attends, petit problème avec le casque. Ah ouais, mais je m'entends en écho, j'arrive pas à parler. Voilà, donc c'est vraiment une performance collective. On remercie tout le monde et on a quand même hâte que les blessés reviennent, quoi. Oui, parce que ça commence à tirer beaucoup là, sur les joueurs qui sont encore valides, hein, parce que ouais. On peut parler là maintenant, il n'y a plus beaucoup de joueurs valides. Et ouais. Il en reste plus beaucoup. Mmh. On essaye de tout faire pour pas qu'il y en ait d'autres. Voilà, les entraînements sont. On essaye de faire un peu plus soft aux entraînements, voilà, pour pouvoir mettre vraiment 200% d'énergie le jour de match. Et voilà, comme ça on peut répondre présent le jour de match. Ce soir, non seulement on gagne, on rattrape le point à Verrage, mais c'est une équipe qui est concurrente. Totalement. C'était quoi la clé de la rencontre pour toi? La défense, je vais peut-être me répéter, mais c'est les matchs, voilà, ça se gagne en défense. On a mis de l'intensité. Voilà, dès l'entame de la rencontre, et même si on a eu une petite période où c'était un peu compliqué au niveau des rebonds offensifs, on a réussi à maintenir cette intensité défensive. Et voilà, après en attaque, on sait qu'on est capable de trouver des tirs ouverts avec des gros talents comme Quentin ou même Thibaut ou Thomas. Donc voilà, c'est vraiment la défense en premier lieu. La défense, je pense que tu sais de quoi on parle là. Parce que ce soir, tu réalises encore une performance défensive exceptionnelle. Tu prends pas beaucoup de tirs, non. Mais défensivement, tu t'es donné à fond. Tu as eu un temps de jeu impressionnant. Et puis, on voit ton évaluation, tes stats. Ce soir, c'est là qu'on voit les rebonds, les interceptions. Défensivement, tu t'es donné encore une fois de plus à bloc. Oui, j'essaie de, encore une fois, me donner au maximum quand je suis sur le terrain. Après, du coup, je suis un petit peu dans le rouge en attaque, donc j'essaie voilà, de trouver peut-être des tirs un peu plus intelligents voilà, pour des purs shooters comme Thibaut ou Quentin. Donc, voilà, même si j'essaie aussi d'apporter au maximum, j'essaie surtout de faire les bons choix tout en restant lucide, même si des fois c'est un peu compliqué physiquement. Voilà, on essaye de rester lucide. Ça peut se comprendre quand on déploie une telle énergie en défense, derrière on est effectivement un peu fatigué sur les phases offensives. On a quand même le sentiment que tu commences à prendre confiance sur ton tir extérieur. Tu prends plus de tirs à 3 points et ça rentre maintenant, ouais. Voilà. Mais que dire, je travaille tous les jours. Voilà, il y en a beaucoup qui rentrent pas. Il y en a un petit peu qui rentrent, donc je suis satisfait pour l'instant. On travaille, on va essayer d'améliorer encore tout ça. Bah, écoute, franchement, voilà, nous on est admiratifs de la performance des jeunes ce soir. Il faut le dire. T'en fais partie. Ouais, totalement. Voilà, et voilà, aujourd'hui, je pense que cette équipe est quand même, enfin, on peut le dire, à domicile en tout cas, on est en train de réaliser des performances exceptionnelles, des vrais exploits même, ouais, avec un effectif aussi réduit. C'est sûr qu'à domicile, on a cette envie, voilà, on commence le match, on dit on est chez nous, genre on peut pas, peu importe contre qui on va jouer, on est obligé de se donner au maximum. Et voilà, même si voilà, le public nous manque un peu, on se donne quand même à fond pour tous ceux qui sont là et voilà, et ça nous motive. Prochain match, première vue, ce serait la semaine prochaine contre Tours. Ouais. Puisque je crois que le match à La Rochelle ne se jouera pas. Il est compromis, je pense. Contact, ouais, voilà, c'est ça. Voilà, donc première vue. Ouais. Tours, ça va être un gros morceau. Voilà, Tours c'est pas trop pour le coup un concurrent direct, mais ouais, comme je te dis, peu importe contre qui on va jouer, ouais, on a peur de, enfin voilà, on a peur de personne, on va se donner à fond dans tous les cas, peu importe le score et on verra bien. Bah super, merci beaucoup. On va procéder au tirage au sort, justement c'est toi qui va le faire, tirage au sort du challenge VVF. Donc c'est un séjour de 400 €, on le rappelle, et c'est Antoine qui va faire le tirage. Ça marche. Hop. Et c'est Eric Villon. Voilà, on va le montrer comme ça à l'antenne.
Voilà. Eric Villon. Félicitations, Eric Villon. Voilà, c'est vous qui avez remporté le challenge VVF d'une valeur de 400 euros. Et puis on remercie Antoine. Pas de merci soucis. Encore. Allez. Voilà, et félicitations. Repose-toi bien. Merci. Je crois que les jambes vont être fatiguées là. C'est clair. Attends, je vais te passer. Et on va retrouver Kevin, c'est Johan qui va faire l'interview. Le micro passe de main en main. Oui, on va se retrouver avec Kevin Mbaye-Toubam, l'autre jeune, un des jeunes acteurs de cette victoire ce soir des Bordelais. Voilà, on va parler tout à l'heure, Antoine parlait de défense. Surtout aujourd'hui, vous aviez trois réels pros. Qu'est-ce qui vous a permis d'être en confiance, de pouvoir jouer? Comment vous avez travaillé cette semaine? Cette semaine, toute la semaine, on travaille sur la même défense déjà. Donc quand on rentre, on sait qu'on doit faire prise à deux au poste, qu'on doit tout donner. Tout le monde nous motive, tout le monde nous dit qu'on n'a pas de pression. Donc quand on rentre, on pense juste à défendre et à tout donner. Et je pense que c'est ce qui nous met petit à petit dans le rythme. Et voilà, c'est... Toi, on sait que tu es étudiant en même temps, donc tu dois gérer à la fois les cours plus les entraînements. Tu as rejoint le groupe un peu plus tardivement. Là, comment ça se passe pour toi là? Ben exactement, moi je suis en DUT mesures physiques, donc j'alterne les deux. J'ai commencé plus tard et en fait, je m'entraîne par rapport à mon emploi du temps des cours. Et depuis que j'ai repris, j'ai pu m'entraîner constamment. De plus en plus, et j'ai pris le rythme du jeu. Joachim l'a senti et il commence à me faire un peu plus confiance. Et toi, quelles sont les choses qui te mettent en confiance? Qu'est-ce qu'on a vu ce soir? On a vu un peu de spectacle, des dunks, des contres. Voilà, toi, qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce que te disent des joueurs comme Alex, comme même Antoine que tu connais depuis un moment, ou Quentin, Thibaut? Quelles sont les discussions que vous avez? Moi, tout le monde me dit pas de pression, joue juste ton jeu. De pas réfléchir surtout, parce que c'est quand je joue avec l'instinct que je joue le mieux. Quand je commence à réfléchir, c'est problématique. Donc moi, tout ce que je sais, je dois rentrer, je dois tout donner et je réfléchis pas, juste je joue. Je me pose pas de questions. Bon, la petite question un peu gênante. On t'a vu sur les images de Corquette la semaine dernière. Là, ce soir, on va te voir dans un autre registre. Non, mais ça compte pas. Ça, je touche la balle. Ça compte pas. Je me mettais en rythme okay. pour ce match. Et bien, en tout cas, ça fait plaisir de voir les jeunes contribuer, de voir les jeunes évoluer, de te voir évoluer, parce qu'on sait que tu n'es pas passé par le cursus centre de formation comme beaucoup de joueurs qu'on peut voir, par exemple Thomas ou Gaëtan, qui ont un vrai parcours centre de formation, etc. On sait que toi, tu as toujours été dans les derniers. Pourtant, tu as joué avec des générations intéressantes, avec Gérald Ayaï et Joël aussi. Voilà, et c'est l'occasion pour toi de t'exprimer. Donc on est content de te voir à ce niveau-là, Kevin, et on espère que tu vas continuer d'apporter, que tu vas pouvoir gérer cette alternance avec les études et le basket. En tout cas, et quand que ça va pouvoir continuer quand les autres joueurs vont revenir, quand Gaëtan, Jeff, même Willis vont revenir. Donc on espère, moi je vais continuer à tout donner, à l'entraînement comme en match, je vais prouver. Et si le coach continue à me faire confiance, à penser que je peux apporter quelque chose, moi je vais rentrer motivé et voilà. Super, merci beaucoup Kevin et bonne fin de saison à toi. Merci gars. on attend Raphaël Desroses, normalement qui devrait arriver... Je sais pas où il se trouve, on l'attend pendant ce temps, patienter. Alors avec une petite page de pub de nos partenaires. On se retrouve tout à l'heure. Live Hotel, nouveau lieu de vie bordelais face à la plage du lac, à quelques arrêts de tram ou coups de pédale du centre-ville. Qu'est-ce que c'est réellement? Un hôtel? Un restaurant? Un bar? Ok, mais soyons plus précis. Live Hotel, c'est un établissement design et cocooning centré sur l'échange et le partage, proposant des événements destinés aux hôtes, mais aussi aux professionnels et habitants du quartier, le tout animé par une équipe chaleureuse, passionnée et bienveillante. Alors, prêt à vivre la live expérience? Bienvenue dans votre communauté. Enjoy!
Finalement, on n'a pas pu avoir Arnaud Desroses. Raphaël Desroses. Raphaël Desroses, je vais y arriver. Mais c'est parce que j'ai joué toujours contre son petit frère Arnaud. Et voilà, j'aurais Ah non, mais il n'y a pas de problème. Raphaël Desroses. On n'a pas pu avoir Raphaël Desroses, le capitaine devant. On va revenir quand même sur cette rencontre. Antoine en parlait tout à l'heure. Une des choses importantes que les Bordelais ont mis en place, c'est la défense. Le travail défensif. Ça fait plusieurs matchs que c'est comme ça. Oui. Ça fait plusieurs matchs où, grâce à notre performance défensive exceptionnelle, on arrive à accrocher des succès. On n'aurait peut-être pas imaginé, en fait, tout simplement. Oui. Oui, oui. Ils ont accroché l'équipe devant à 160 points. On le sait, c'est une stat que tous les coachs basketteurs le disent à leurs joueurs. Maintenir une équipe à 60 points, ça te donne la victoire. C'est ça. Maintenir une équipe. Et c'est ce que les Bordelais ont fait. Il y a eu le troisième quart-temps où Vent a un peu pris l'ascendant. L'ascendant au niveau des rebonds offensifs, au niveau de l'adresse aussi, mais Bordeaux a été constant. On va faire un petit point, sur les stats. Donc Thomas Van Oussem qui finit à 28 points, 9 rebonds, 2 passes d'ess et 29 dévales. C'est très costaud. C'est très costaud. C'est sans doute son meilleur match en National 1. Il a un vrai impact sur cette rencontre. Et il est un des grands artisans de cette victoire. C'est ça. Avec 12 points marqués dans les 4 premières minutes, il était très adroit. Il a marqué des paniers importants. On se rappelle ce dunk sur le curl. Et puis, il a été suivi de Quentin Hank. Quentin Hank, on le sait, on le peut voir dans un registre. Lorsqu'il joue poste 2, très, très, très adroit. On se rappelle la semaine dernière avec 38 points. Ou des matchs où il avait fait 11 sur 11 à 3 points. Enfin voilà, c'est un joueur qui est très adroit. Et aujourd'hui, il s'est mis en retrait. Il a mis en confiance les jeunes. Il a été le patron. Il a été dans la gestion. Il finit avec 12 points, 8 rebonds, 6 passes d'ess, 2 inter, 16 dévals. Moins adroit que d'habitude, mais voilà. Ouais, mais il a apporté dans notre registre, notamment la passe, très présent au rebond. Et pareil, Quentin, voilà, gros match. Il a eu un rôle de leader qui a fait la différence. Et pareil, grand artisan de cette belle victoire. Et au niveau statistique, le dernier, l'autre homme, c'est Thibault Lanzième. On voit dans cette équipe bordelaise qu'il y a deux profils qui sont importants. C'est Thibault Lanzième et Alex Valarien n'était pas là, mais aujourd'hui, c'est des joueurs complets qu'on voit partout. Thibault Lanzième qui est poste 3 de métier aujourd'hui, il a joué poste 4 et il était important. 19 points, 5 rebonds, 5 passes des 7 interceptions. 7 interceptions, c'est impressionnant. Thibault n'en parle pas assez. C'est une sacrée recrue pour les JSA, PMB. On a sauté sur l'occasion du fait qu'il soit encore en convalescence et qu'Angers ne le conserve pas pour le récupérer. Et il a retrouvé un super niveau. Et on a le sentiment qu'il est à l'aise, qu'il est bien dans cette équipe, dans ce registre. Même s'il joue dans un rôle de poste 4 fuyant, finalement, qui a l'air de lui convenir. Et voilà, on a un Thibaut qui ce soir, pour moi, est peut-être bien l'homme du match, tout simplement. Avec Thomas, on... Ça se vaut, mais c'est cette interception, c'est impressionnant. Impressionnant. Et du côté des Bordelais, les jeunes, on les a eu tout à l'heure. On voit là, on voit Antoine Léonard, on voit là qui a 4 points, 6 rebonds, 4 passes, 4 interceptions. Il a Norsi la feuille de stats, 13 d'évaluation. Chaque match, Antoine Léonard, on élève son niveau. Le premier match, c'était ici face à Dax, où il finit avec 7 dévals. Là, il évolue encore 13 dévals. Kevin Mbaitoubam qui est venu rajouter sa pierre à l'édifice, qui, on le sait, il le disait, il est étudiant. Donc, c'était difficile pour lui de gérer les cours, plus s'entraîner. Là, il a repris le rythme. Il l'apporte aussi. Ce soir, c'était Madiba Ouna. Une bonne rentrée aussi avec les 4 points, notamment. Oui. Voilà, donc et pas mal de rebonds, des passes décisives aussi. Oui. Un 6 d'évaluation. Mais Kevin Mbaitoubam, 9 points en National 1, c'est pas anodin. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est pas anodin, 9 points. Exactement. Donc, quels 9 points, c'est avec de l'impact physique, c'est ça. C'est-à-dire qu'arriver si jeune dans un niveau
qu'on découvre et apporté par l'impact physique, par l'intensité, par la dureté. Voilà, enfin, sacré hommage de la part de Kevin. Tout à fait. Non, on a vécu une superbe soirée de basket là. Nos joueurs nous ont régalé et ils nous ont fait plaisir. Voilà, et on en redemande tout simplement. Voilà. On va terminer pour faire le point vite fait sur les autres rencontres girondines. Voilà, les Girondins de Bordeaux, c'était le week-end de la Coupe de France. C'est le week-end de Coupe de France, ouais. Donc, ils jouent le week-end prochain, donc dimanche prochain, le 14 mars. Voilà. Et, on espère une victoire parce que l'équipe est, faut le dire, en très grande difficulté là. Oui. Voilà. L'UBB qui a remporté, l'UBB qui continue sa lancée, sa belle saison. L'UBB est très bien. Face à la section paloise. Ouais, 29-23, donc ça a été dur, hein, cette équipe de Pau qui est très accrocheuse. Mais l'UBB, voilà, c'est une belle lancée, il faut qu'on aille chercher ses playoffs. Cette phase finale que l'UBB attend d'accrocher depuis très longtemps. Et le Covid nous a empêché de le faire l'année dernière, mais. Oui. Voilà, cette année, c'est peut-être la bonne, on espère. C'est ça. Les hockeyeurs, les boxeurs, qui recevaient Chamonix et qui ont gagné 3-2. On rappelle aussi que les Birdies qui jouent dans cette salle du Palais des Sports de la Ferme Richemont, qui vont trouver le Pôle France, donc l'INSEP, la semaine prochaine, ici. Voilà, on se donne rendez-vous pour le prochain match, le 13 mars, contre Tours. La semaine prochaine, hein. Oui, la semaine prochaine. On enchaîne. Et oui, le mois de mars va être très, très, très compliqué. Nos amis de 3M1 en parlaient. Ouais, Tours, un gros morceau, hein. Ça va être un superbe match, un gros, gros morceau. On espère des retours de blessures. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, on remercie tous nos partenaires et à samedi le 13 mars avec mon accueil Spat. Bonne soirée à tous, merci beaucoup. Au revoir. Live Hotel, nouveau lieu de vie bordelais face à la plage du lac, à quelques arrêts de tram ou coups de pédale du centre-ville. Qu'est-ce que c'est réellement? Un hôtel? Un restaurant? Un bar? Ok, mais soyons plus précis. Live Hotel, c'est un établissement design et cocooning centré sur l'échange et le partage, proposant des événements destinés aux hôtes, mais aussi aux professionnels et habitants du quartier, le tout animé par une équipe chaleureuse, passionnée et bienveillante. Alors, prêt à vivre la live expérience? Bienvenue dans votre communauté. Enjoy!